passage. Eh oui. Eh oui, il y a le fameux passage. Le fameux passage. Oh, on vache. Est d'accord que c'est l'île en face là. Enfin, en face. Vite fait en face. Vite fait en face, tribord quoi. Nous non, sommes suivis mort, par mort. Un bateau là-bas à tribord arrière. Ouais, toujours. Ouais, c'est l'île en face ouais. là. Là, ça sera un peu de, un peu d'est, sud-est. Et... Il y a une baie, okay. hein, tu peux te foutre dans la baie. Oui, alors. Lui, il tente la douille, hein. J'annonce, lui, il tente la douille. Hein. Ouais, mais... c'est sûr qu'il tente la douillasse. Au pire, vous savez ce qu'on peut faire, capitaine? Oui, on fait deux sur le bateau et deux sur l'île. Non, même pas. Non, on va le défoncer en fait. Genre, on retourne le bateau, on se met en plein vent avec le vent en poupe, on va lui rouler la gueule. On, ah, lui fait on va mettre 10 minutes à revenir. Non, une heure même. C'est vrai, c'est vrai. Un mec, il va avancer, hein. Donc, juste reloader les canons, préparer tribord. Les canons sont tous chargés. Les canons, c'est prêt, ouais. Et tranquille, hein. Les canons sont reload, hein. Tout est reload. Par contre, quand il s'approche, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de le sniper. Et reload vos snipes et les amis, ils ont des trous dans la coque. Ah bah ouais. Mince, sérieux. Ah ouais, ouais ouais, on avait deux trous. Il me faut des... Ah bah voilà. Je n'ai plus de planche de mon côté. Ah, voilà, il nous... Mais on dirait qu'il nous rattrape en fait. Ah non mais non, il fait, est non, mais super il nous loin. Rattrape, ah, oui. quasiment sûr. Non non, en il fait il est super loin, c'est la longue vue qui donne cette impression mais... Il est tout léger, je pense qu'il va finir par nous rattraper. Oh, ça a planté moi. C'est la bonne île là. On arrive sur la bonne île là. D'un coup c'est droit devant. T'as planté Domingo? Non non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais c'est la bonne île, c'est la bonne île. Droit devant, bah ouais. Il va falloir comme... Bon je descends alors c'est parce que... Il va falloir bon. Commencer à s'affoler ouais. Le Cannon Cove. On est fait... d'accord que c'est la bonne île là Domingo. Ouais c'est là, celle-là. Mais okay, en fait okay. si on veut ralentir moi je dis c'est genre on fout l'ancre direct hein je pense. Tu vois ce que je veux dire? Non parce que l'ancre elle va nous arrêter, on sera trop loin. Non non pas maintenant, mais genre tout à l'heure dans des situations comme tout à l'heure par exemple. Ah, ouais, plutôt que ouais, relever ouais. les voiles en premier. Genre mais là... Peur, ça nous arrache l'ancre du bateau tu vois. Ouais c'est vrai. C'est vrai que ça moi je lève les voiles là quand même. Oui c'est dur. Il faut du solide levé de voile là. Écoute, on peut essayer. Là, il faut jeter l'ancre. Ouais, j'ai jeté l'ancre. Essayez cette technique, Pascal. Voilà, j'ai jeté l'ancre. J'ai jeté l'ancre. La voile ne suffira plus là si vous voulez. J'ai jeté l'ancre. C'est fait. C'est bon, c'est bon. Ok, nice. On s'est arrêté instant en fait. Ok, donc. Est-ce qu'on laisse les voiles dehors alors? Non, du coup, c'est naze. Du coup, on est très mal placé. Ouais, non, mais du coup, on sait qu'on peut avoir un peu grid. Ok, le. Levez l'ancre. Déployez juste moi la voile arrière. Vas-y, je lève l'ancre. Ok, on a juste la voile arrière, juste le vélan. Faire full tribord, non bâbord, pardon, non tribord. Voilà. Excusez-moi, je m'embrouille. Aucun souffle, aucun souffle. C'est ça, c'est dans la marine. C'est dans la marine. Si dérapage contrôlé à l'ancre. Des nouvelles de notre copain à l'arrière? Il est toujours à l'arrière. Pas trop d'inquiétude. Ok, alors là. Ouais, il est à l'arrière, mais il fait pas trop le zouave quoi. Ouais, il se questionne, il s'interroge. Ok. Bon. Attendez, est-ce que vous pensez qu'on est pas mal là? On va rentrer dans cette merde. Par contre, comment on va faire pour ressortir? Est-ce qu'on peut videz-vous bien tout, hein, intégralement dans les cales. Tu peux tourner le bateau contre vent ou pas du tout? Bah non. Enfin, si, sûrement. On peut sûrement tourner les voiles pour faire une marche arrière. Hein. Ok, on peut jeter l'ancre, je pense en vrai. Là, on est dans la baie. Jetez-moi cette ancre. Jetez-moi ça, les gars. C'est bon. Bah, allez-y, lâchez-vous quoi. Lâchez-vous. Par contre, ouais, videz votre stuff. Ouais, on vide tous notre stuff comme ça, on revient et on sera tous full. Vos planches, vos boulets, etc. Par contre, faut les équiper du coup pour les vider. Ouais. Sérieux? Ouais. Ça doit être dans ta main pour que tu puisses. Mais le poser, vous voulez vraiment qu'on vide tout? Bah, oui, comme ça, on récupère sur la. Ah, oui, t'as raison, exact, oui. Genre, peut-être une ou deux bananes en vrai. Gardez, en vrai, avoir des petites bananes. Ouais, des petites bananes finalement. Des petites bananes ou nettes. Deux bananes chacun et on y va. Est-ce que tu veux rester sur le bateau? Vous voulez que je reste ou... Je peux me promener un peu? Histoire d'eux. Ouais vas-y. Peut-être Dash, tu peux rester sur le bateau cette fois. Et moi je vais aller chercher le coffre. Tu te mets à la vigie et tu regardes si on a un pirateur de diffusion en direct qui s'approche. Absolument capitaine. Il y a deux coffres du coup. Ok, j'ai toutes mes armes qui sont... Donc il y a deux coffres à trouver sur cette île, c'est ça? Yes. C'est ça. Donc là on a débarqué là, donc l'idée c'est d'aller, ok ce chemin je pense, on va aller voir, oh putain il y a les vieux squelettes. Ah c'est tellement chiant, moi je cours. Hein, oh non j'avais pas rechargé avant de descendre. Oh y'a un coffre là, random, en mode Oh voilà. Regarde sur ta carte si ça l'a enlevé, si c'était celui-là. Ils approchent, capitaine, ils sont même assez prêts pour le coup. Ok venez au bateau. Ah, ok on se replie bateau. Enfin, ils sont... Oula. À moins que j'aille chercher un coffre tout seul et vous vous occupez du combat. Ah t'as un coffre juste. Ouais, c'est je suis complètement bourré avec. Ok, torse rouge, comme tu ramènes ce coffre. Moi je vais en chercher un autre. Ah ouais, on a pris aucun coffre de la quête. Bordel. Ah oui, c'est une île genre. Ah non. Ah c'est du bonus quoi. Petite banane Dash, petite banane, pas de soucis. Ouais oui, je sais mais Et oubliez pas de prendre les fournitures dans les tonneaux. Ils sont derrière nous hein. Mais ils vont nous fumer là. Là ouais, ils sont quand même vraiment prêts hein. Ça sent le bolossage hein. Et ils sont là, ils arrivent.
putain, ça va être chaud de trouver ce coffre, j'ai du mal. Je suis à moitié bourré, mais j'arrive quoi. Mais est-ce que je suis blessé ou quoi là? Sur la chute. Non, mais j'avais l'impression de marcher plus lentement, mais tout d'un coup il s'est remis à marcher normalement. Donc, je devais m'être fait mal à la jambe. Ah, ils sont là-bas encore. C'est vous qui avez tiré là? Ouais, c'est moi, je tente des trucs. Tu me t'essayes de tirer dessus? On est d'accord. Putain, il a dîné. C'est histoire d'être d'accord. Ça arrive hein. S'il vient sur notre flanc par contre, il est mort en vrai. Ah ouais, il arrive. Ok, bon, je vais peut-être. Oh, j'ai touché! Il a pris un coup. Il s'est arrêté. Oh, touché! Il faudrait qu'on tourne le bateau. Putain, si on pouvait tourner le bateau sur la droite. Bon, je vais venir vous aider hein. Ouais. Bah, il arrive sur le flanc comme un débilos hein. Il est mal. Non, il s'est arrêté, hein. Il arrive pas sur le flanc. Ok, ça, là, c'est vraiment de la merde hein, la petite arme, le petit gun. Il tire sur un truc, il fait quoi? Ils sont en train de se heal, je pense. Est-ce qu'on lève l'ancre pour pouvoir tourner? Ouais, je pense en plus on sera avec. Levez l'ancre, ça tournera direct. Attendez, je suis en bas, je prends juste des munitions. Je t'aide. Allez, tous ensemble. Oh là là, quel temps. Préparez-vous, canon, Domingo et Juste, canon. Yep, on y est. Et il s'en va. Let's go! Ça va être en face de vous! Je pense qu'on est loin là. Ouais. De se tourner. Oh nice, le coup de snipe, dommage. Je sais, mais je pense qu'on est vraiment loin. Bon, on est loin, mec, on est loin. Il faut ok, je vais le chercher. NP, je me rapproche, je vais le chercher. Ah ouais, je pensais mon boulet pas mal, mais pas du tout en fait. Le problème, c'est que ouais, il va rego et on a aucune chance de le rattraper en fait. C'est ça le problème. Quoique, déployez toutes les voiles, on le poursuit. Est-ce qu'on fait une poursuite? Vas-y. Mais là, il vient sur nous, hein. Là, il avance. Hein. Là, il a décidé autre chose. Ah, ouais, alors, il avance. Eh ben, ralentissez. Attends, lâche l'ancre. Lâche l'ancre, ça va nous tourner vers la droite. Il va nous foncer dessus en fait. Tu me fais tomber l'ancre? Ouais. Oh là là. Cela dit, Ah non, là il est derrière nous. Maintenant. C'est un peu tard du coup. Là il est derrière nous, ouais. Et là c'est bon, on se retourne avec eux. Mais c'est peut-être des amis, hein. Les canons! Go! On prend les autres. Bon, je relève l'ancre du coup. Cauchemar. Ouais, non, mais ça servait à rien, c'était sûr qu'il allait faire ça en fait. Ça n'a juste aucun intérêt pour nous d'essayer. J'ai l'impression que lui il a un moteur, tu vois, c'est genre un jet ski son truc. Ouais, non, mais en fait c'est un bateau. Il y a un zodiac. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Un zodiac. Je mets un peu de lumière parce que. Retourner, hein. Non, mais ça a aucun intérêt, on peut pas faire ça face à un petit. Bah, en fait, faut l'aborder vraiment quoi, faut sauter et faire go. Ouais, c'est ça, mais sans ça, on a pas trop le choix quoi. Oh, moi je m'entraîne. Ouais. Y'a rien dans la cave, y'a pas d'eau, y'a rien. Mais vu que c'est un stream hacker, il va faire ça à la chaîne en fait. Enfin, ça sert à rien. En fait, quand on va commencer à fight, il va s'en aller. Quand on va se mettre sur l'île, il va commencer à se rapprocher. Enfin, ça sert à rien. Ah, en fait. Les gens qui ont pas de vie, c'est fabuleux. Bah, du coup. Bon, c'est pas grave de gâcher un stream, moi je trouve ça cool. Non, mais sinon, ce qu'on fait en vrai, c'est que. Pourquoi y'a un Poséidon? Là par contre, j'ai levé l'encre du coup. Non, mais y'en a un ou deux qui vont. On peut faire un ou deux et on peut le gérer. Les autres peuvent le gérer, je pense. À la limite, ouais, peut-être. Capitaine, vous manœuvrez le bateau là? Ok, ça marche. Okay. Ouais, tout à fait. Ah ouais, la vache, comment t'es bourré quand tu comptes quand t'as ce coffre? Ouais, c'est terrible, t'as vu? Oh, ah ouais, c'est. C'est n'importe. Vous me dites quand je l'encre. Attends, bientôt. On va dans le mur là. Go, lâche l'encre. C'est en cours, hop là, ça se lâche. Vous avez pas vu qu'on était aussi près? Ah putain, mais je l'avais pas trouvé. Est-ce que ça marche? Oh là là! Ouh! Là, c'est la catastrophe! Vite, messieurs! Messieurs, c'est la cata! Messieurs, vous connaissez! Non, c'est propre! Je répare. C'est terrible, les gars! Ah, mais attendez, c'est pas fini! Non, répare, Dash, répare, nous on vide! C'est pas fini, les gars, si jamais! Ah, c'est que le début peut-être, mais elle est vraiment jetée l'encre là? Parce qu'on continue à bouger. Oui, mais parce qu'en fait, en gros, le jeu il veut pas que tu tombes sur un caillou. D'accord. Il te décale du rocher, je pense. Exprès. Parce que sinon, bah, vous avez quillé votre bateau, hein. C'est pas le temps. Vous pouvez parler à Poséidon ici présent. Bah, faut pousser, les gars. Non, faut descendre, faut nager là, je crois. C'est la piquette, les gars. Pousser, elle est en panne, hein. C'est bon, c'est réparé. Bon, vous avez réparé? Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, tout est bon. Est-ce que les 100 vies sont toujours là? Ouais. Oui, ils sont au loin. Très bien. Bon, bah, okay. j'accoste, hein. On descend, vous accordez. Vous. Ah, mais c'est de la merde cet endroit, ah, mais faut qu'on bouge. Non, c'est bien, on est caché par les récifs, c'est stylé. Ouais, mais mec, pour revenir sur le coffre et tout, je sais pas, ça va être. Moi je trouve c'est pas mal là. Là, on a une petite zone de plage. On voit où on est, on est au niveau du caillou quoi. Mais ça, c'est pas ça, on voit où on est quand même. Du coup, je fais quoi? Je reste sur le bateau? Bah ouais, limite, joue c'est toi, vous restez. Saute pas, fais gaffe.
Ah ouais, en vrai, c'est de la merde, non, j'avoue. En fait, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'île, on voit où on est. En fait, y'a un requin qui est juste là. C'est Caillou, attends, je vais te le tuer. Ah ouais, non, mais là, c'est trop de la merde, là. Ah ouais, attends, merde. Putain, je vais me faire bouffer. Oh non, he's down, he's down. Oh, il est mort. Tiens, tiens, j'ai plus de pitié pour toi, moi. Moi, je monte là-haut, moi. Le nombre de fois où tu m'as croqué. Moi, j'ai envie qu'on affronte un autre galion. Mais on va le faire, on va le faire. Mais en effet, on n'est pas super bien placé parce que la falaise, enfin c'est une falaise, le truc, et on peut pas l'escalader en fait. Y a ouais, pas on de. Peut pas l'escalader, ouais. Bah, voilà. Je suis en train de me demander. Je suis en train de contourner à la nage alors. Donc ouais, c'est un peu lourd là. Il y a un autre bateau là. Moi, je vais relever l'ancre. Hein. Un frêle esquif. Non, lève pas l'ancre, lève pas l'ancre. Ok, ok. Juste passer par la gauche en sautant du bateau, pas par la droite. C'est pas la peine. Ah, vers le pont en bois, le ponton. Ouais, c'est ça, tu vas plutôt vers là. Ok, c'était quand même peut-être pas mal de relever l'ancre, hein, parce que ça va être une galère sous l'eau et tout. Hein. Y'a une épave oh, là. Ah, mais là, je suis tellement loin de vous, les amis. Faites ce que vous voulez, gérez-vous, mais moi je suis. Est-ce que vous voulez pas qu'on tourne le bateau à droite, on repart sur la baie? Vas-y, moi je dis qu'il vaut mieux hein, quand même, parce que là. Allez, on est parti. Ouais, on lève l'ancre, parce que c'est une mauvaise idée en vrai. Oh, y'a un milliard de squelettes là. Oh l'enfer, c'est pas les gamins. Laissez-moi les gars. Mais ouais, on aurait pu. Ah non, parce qu'on est con, y'a une falaise, mais on aurait pas pu s'éjecter là. Oh là là, il est tombé sur un os. Mais putain, mais. Oh, je vais faire juste demi-tour. Le truc, c'est qu'on va avoir le vent dans les voiles. Oh monsieur, je vois que vous avez remplacé l'ancien capitaine. Enchanté. Enchanté, monsieur Juice. Enchanté, Torson Rouge, enchanté. Ah, mais on se barre en fait, c'est-à-dire que. Bah salut Zera. Salut. Salut. Il faut rebaisser un peu les voiles, les pousser à droite, mais normalement je vais sortir du vent et on va pouvoir revenir dessus. Il faut que je trouve. Donc je les baisse ou je les monte? Il faut juste les mettre à droite. Ils ok. Tu peux les laisser comme ça, c'est juste qu'on est avec le vent, du coup ça nous a vachement poussé. Y'a un petit bateau. Ouais, c'est les mêmes. Tout droit. Ouais, c'est les mêmes. Non, mais ça va rester les mêmes, hein. Vous inquiétez pas. Oh là là, archi chiant. Il va rien se passer d'autre, hein. Retrouver leur pseudo pour donner leur. Oh, le cyberharcèlement, quoi. On les ajoute en amis. Ouais. Je vais continuer à braquer à droite et puis on va repartir sur l'île, en fait. Alors, je suis à la recherche du coffre. Domingo, donc, avec sa cicatrice, il est beau. Ici, nous avons le camp. Ah ouais, un vrai guerrier. Le camp, le chemin. Mais monsieur, vous êtes dans la barre. Il n'y a pas ce chemin. Ah, si. Il est super beau, votre dessin, dites-moi. Je vais aller voir Dash. Calmez-vous. Dash, est-ce que tu peux me relever les voiles, s'il te plaît? Ah, trop stylé. Ouais, alors, je relève ça tout de suite. Est-ce qu'on devrait pas juste... Ouais, non, j'allais dire jeter l'ancre. Dès que tu vois que c'est possible... Je vais vous on jette l'ancre. Normalement, c'est bon. Attends. Attends pour l'ancre. On relève. On peut en faire avec... Moi, je pense on fait faire une voile, celle de derrière, et on jette l'ancre quand c'est bon. Ouais, ouais. À gauche, là, à bas bord. Une plante rouge. Ça, cette plante rouge, là, oh, mais c'est bon, mais c'est celle qui est juste là où je suis, je pense. Ah oui, lui il est sur Minecraft. Voilà, c'est bon, hein, on est face au ponton, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est bon. Tu peux lâcher l'ancre quand tu veux. C'est en cours. Hop là. Je pense que c'est là. Allez. Yaha. Voilà. Ouais, je pense que c'est ici. Hein. Bien joué, les gars. Pas besoin de capitaine. Je pense que c'est là. Que vous en pensez? Qui était nul en présentation au collège? Bah, perso, j'étais hyper fort. Je sais pas vous, mais. Ah. Il y avait un nom pour ça, je me souviens plus comment ça s'appelait. Il y a une orientation. Non, il y avait un autre nom chelou. Faites gaffe en revenant, les gars, il y a un requin. Moi je dirais que c'est là. Alors attends, surtout il y a combien de coffres cette fois-ci? Deux. Alors. Ah, ou alors il est dans la grotte. Ah, en plus c'est facile de se. Enfin, c'est plus facile parce qu'on est arrivé depuis le ponton, nous donc. Oh, il y a un barrel d'alcool. Charger. Non, gunpowder barrel, c'est quoi? C'est par là. Ah, c'est bah. C'est pour les canons. C'est pour les flingues. De poudre à canon. Dans sont les autres là. Pour les flingues. À mon avis, c'est par là. Excellent ça. Je la fais rouler. Hein. Bien sûr, Yann. Alors, plutôt à gauche. Alors. Capitaine. Vous n'êtes pas le capitaine. Vous n'êtes pas le capitaine. Mais attends, non. Mais ce chemin. C'est de la merde cette carte là. Où êtes-vous, capitaine? Mais quoi, capitaine? Mais je suis sur l'île. Bah oui, mais moi aussi je suis sur l'île. Vous n'avez pas besoin de moi pour chercher un coffre. Bah, je sais pas lequel vous cherchez en fait. Y a quelqu'un sur notre bateau? Oui, je suis. Le plus au sud. Le plus au sud, ok donc.
Le coffre le plus au sud, je cherche. En fait, ils sont chacun à une pointe du récif, quoi. Donc, faut trouver. Enfin, faut juste partir, voilà, de ce gros machin là. Hein, je pensais que c'était là, mais ça a pas l'air d'être là. Hein. Arrêtez de me dire utilise ta boussole, putain, vous m'emmerdez. Le truc qui était derrière est pas mal, il faudrait voir ce que c'est. J'en avais ramené un. Je pensais que c'était là, putain. Du gunpowder, la poudre. Attends, poudre le giga récif, c'est celui-là. Hein. Je pense que c'est là. Et en fait, ils sont chacun à une pointe du giga récif. Ah ouais! Ah oui, donc non, plutôt là du coup. J'avais pas vu cette pointe en l'air, quel idiot. Donc ce serait là ou juste au-dessus. Quel idiot fais-je? Bon, de toute façon. Genre là. Peut-être ouais, là. Ouais, c'est ça, genre moi je voyais là un peu. Tente-le. Mais en fait, le problème c'est que le chemin de sable qu'on voit là, c'est ça? Ouais, par là, je dirais. Par là, je dirais. Je donne plein. Ou alors c'est en dessous. Ah, nice. Je crois qu'il y a des squelettes. J'ai des boulets de canon, les gars. Je m'en occupe les trucs. Sérieux? Non, il y en a beaucoup quand même. Quelqu'un a tiré là? Non. Enfin, sauf si Domingo a tiré, mais moi non. C'est moi. Oh là, moi je me fais agresser par des squelettes. Non, mais what the fuck. Putain, mais toutes les îles ici, elles sont mal famées, hein. Tu fais quoi? On cherche le coffre, vous croyez quoi? C'est notre métier, les gars. C'est-à-dire... Croyez qu'on s'amuse là? On a une famille à nourrir, nous les mecs, hein. Ça fait une demi-heure que je creuse là, que je défends des squelettes. Ah, ça y est, je suis bugué, l'appel marche plus. Attends, je la reprends. Oh non, quelle horreur. Non, mais alors c'est en dessous du coup. Si c'est pas là, c'est en dessous. C'est beau quand même. Et parce que ça, c'est le chemin. Qu'est-ce qu'il fait, Dash? C'est pas là du tout. Oui, oui, non, mais je tente. Non, c'est pas là, je pense. Oh bah tente, vas-y. Et comment vous la voyez cette carte? Parce que c'est... Enfin, quoi... Le problème, c'est que c'est la pointe. C'est moi, en fait, j'ai envie de prendre la pointe. Moi, c'est M, mais c'est juste que j'ai dû changer. Je sais pas ce que. Mais si, parce qu'il y a un truc qui est censé être à droite de la pointe quand même. Hein. Un peu. Ah ouais, mais et la pointe, alors... elle est au-dessus de nous là. Ou alors c'est là. Ah, mais. Restez au-dessus, moi je fais en bas. Vous avez tenté là, ouais. Ah oui, oui, il y a des chances que ça soit en dessous, ouais. Bah, je sais pas. Y'a moyen quand même. J'attaque en dessous. Juste là. Pas sur la pointe. En fait, il est pas sur la pointe, donc heureusement que je suis pas sur la pointe. Je vais creuser le bateau en attendant. Faut que je creuse mieux. On va faire un effort quoi. Oh. Sinon, je vais chercher l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est. La hitbox du coffre est petite quoi, quand même. Mais voilà, on est petit au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je suis descendu du bateau histoire de remplir un peu les tonneaux, mais le bateau il s'est repositionné derrière nous au large là. Ok. Mais va attendre qu'on trouve le coffre pour nous attaquer, je pense. Je sais pas trop, mais. Je vais retourner du coup dessus. J'ai chopé la gunpowder. Mais... Hein? Parce qu'attends, là. Sous squelette arraché à l'arbre. Ça m'étonnerait beaucoup, la carte pointe pas du tout, mais alors pas du tout ici. Sinon, on rase l'île, hein, c'est-à-dire que. Sinon, amenez-moi un tractopelle, hein. Oh, on vous gère ça, une petite après, mais. Ah non, attends, sinon là en vrai. Là, il y a une pierre avec un. Où ça? La pierre craquette. T'es là, toi? Là, ça me paraît être un bon emplacement. Je pense que c'est là. Je pense que c'est par là. Ça me paraît bien. Faut pas zoomer sur la carte. Eh non, ce serait trop simple. Attends, moi, je pense que c'est là. J'ai bon espoir là, sur l'endroit où je suis. À mon avis. Là, à mon avis, c'est pas mal. En fait, comment je peux remettre. Moi, je vais essayer de faire l'autre. Je vais essayer de faire l'autre pendant ce temps. C'est difficile d'évaluer les distances avec la carte en fait. Là, et ouais, c'est fait exprès. Hein. Donc, les gars, vous savez comment reposer des items dedans du coup? Ouais, faut les avoir en main. C'est ça. Ok. Vous avoir en main, après c'est R, je crois. Yep, c'est ça exact. Ah, j'ai un coffre! J'en ai trouvé un. Bravo. Ah oui, genre tout seul dehors? Non, l'autre, il est allé chercher là. Le deuxième, ah, le deuxième okay, croix. Tu l'as creusé, ben nice, bravo. Ça, c'était plus facile que le premier, visiblement. Ouais, je t'assure que putain! Genre, j'y ai même pas cru, si tu veux. Oh, c'est quoi ça, ce genre de. Oh, c'est pas le même bruit que d'habitude, putain! Putain, quel cauchemar. Mais en vrai, le coffre il est forcément. Ah, mais attends, nos traces de pelletage ça disparaît en plus. Oh, c'est horrible. Ouais, bah oui, c'est pour ça, c'est un peu. Parce que le c'est coffre, vrai que le coffre que t'as pris à tout hasard il était pas à ce niveau. Lequel? Bah non, la croix. Souviens-toi, le coffre que t'as croisé. Ah non, mais de toute façon, ils disparaissent de la map si jamais on les chope. Il est à 300 mètres, les gars, le bateau en face. Hein. Bon, les gars, je pense que dans le trailer du jeu. Moi j'arrive. Ils avançaient dans une grotte et ils trouvaient un coffre, les mecs. Je me demande si c'est pas dans la grotte en fait, tout simplement. Ouais, c'est possible. Venez là où je suis et on. Ah non, pas du tout. Oula, attendez.
Ce call est annulé. Parce que la pointe elle est là. Ah non, stop. Ce call est annulé, mais totalement. Car en fait, la grotte fait un pixel. Bah tente la pioche. J'étais en mode, les gars, j'ose pas vous le dire, mais faut faire une expédition dans cette grotte. Et là, je rentre, et pas du tout. C'est toi qui tiens, Juice ? Ouais, je teste un truc. Bon, ça m'emmerde, il faut qu'on le trouve, cette merde. Hop. Non mais c'est là, moi je dis c'est là. Vas-y, j'y retourne. Ouah. Non, en fait c'est pas mal de prendre un bout de... Ah ok, ça c'est ça. Ah non, bah non. Putain, mais merde. Trop bien. Ok, donc là il y a la pointe. Là j'arrive. Ok, là ça a refait un tour. Là je suis bien. J'arrive par là. Mais c'est complètement là. Sur ce chemin, c'est sur ce chemin, c'est sûr. Là il y a le petit... Bah ouais, moi j'aurais dit que c'était par là en fait. C'est sur ce chemin, c'est là, je pense que c'est là. Faites attention, si vous allez sud-ouest de l'île, vous l'aurez peut-être genre à portée. Je sais pas si ça arrête de ce côté là. Oh, oh là là, le double one shot, c'est incroyable. Je suis trop vénère, je creuse là depuis tout c'est à l'heure. Incroyable. Il se met 2 cm à côté. Oh non, je te laisse 2-3 coups de pioche si tu veux, mets-toi bien parce que. Ah, je suis dégoûté. Ah, c'était au-dessus alors. Oh putain. Putain, mais mec, je suis. Attends, mais j'étais pas du tout. Mais oh j'étais là depuis tout à l'heure, moi j'étais là comme ça. Oh mais clipper ce coup de génie, j'ai senti le coffre. Ah, j'avoue, t'as oh, trop ça, géré. Oh, ça c'est direct dans le best-of, hein. Ça, c'est... Ah ouais. Bravo les gars. Ah ouais. Bravo ça, Domingo. Ah putain, oh. Mais Domingo, le chercheur quoi, c'est vraiment. Bravo Domingo. Mais en fait, si tu restes appuyé sur. Comment ça s'appelle quand tu fais des coups, tu fais un énorme coup et t'avances avec le clic gauche du couteau. De quoi ? Oui. En fait, t'as le paré et t'as une charge genre. Ah ouais. Bon bah est-ce qu'on ramène moi je ramène le coffre alors, c'est le bateau. Clic droit le pari. Bah on est ok bon, hein. Bon c'est bon Domingo t'as l'autre coffre du coup. Attends ouais j'ai déjà amené il y a celui-là aussi là. Ah bah celui-là je l'ai pris du coup. Ah attends bah, faut que j'en prenne un. Non c'est bon si tu peux juste me fumer le gars là qui va me si t'as moyen non, de me gérer ces mecs. Ça m'arrangerait je te cache pas. J'espère qu'il y a pas un requin qui va. Un de mes meilleurs potes hein, qui va pas vraiment. Pour le moment il y en a pas. Comment se passe ce duel. Si jamais l'écran devient rouge, hein, on en reparle. Hein. Bon. Merci, ah, de rien, capitaine. Merci, plaisir. Moussaillon. Oh là là, quel cauchemar. Bon retour. Bon, c'est fabuleux tout ça. Donc là, il y a 3 coffres. 4 sur la cale. Bon retour, les amis, bon retour. Hey. Bon, c'était la j'ai rien ramené d'autre, par contre. Oh, trop bien, l'instrument. Oh, du chapitre 2. Oh. Aïe, aïe, aïe. Que de joie. Ok, je vais chercher la map suivante. Je suis meilleur en navigation qu'en recherche de coffre visiblement. Mais bon, tout à l'heure j'ai one shot. Ouais, tout à l'heure première île t'étais solide. T'es. C'est la carte. Ouais, c'est Domingo l'excavateur de la team visiblement. Alors. Ok. Bon, ça doit pas être compliqué à trouver comme forme. Merci pour ce dessin. Ok, trouvé. Bien joué ça, capitaine. Vous devenez de plus en plus fort, hein, Sinsane. c'est grâce à vos dessins, bravo. Ah, pas de soucis, regardez. Grâce à vos très beaux dessins. Histoire de vraiment. Que fait-on, le blanc, prenez bon. Capitaine, c'est sur quoi j'ai bind ça, moi, putain, merde. Bon, début de l'épisode 3, on y va, mes amis. C'est parti. Ah, par contre, comment on va faire votre connerie là pour aller en arrière? Eh ben, braque tout à droite. Non mais Juice c'est un expert mécano là, c'est incroyable. T'as l'air là, il a fait... là à mon avis ce qu'il faut c'est retourner les voiles non. C'est pas possible ça. Non. Ben je vais juste les pousser, enfin je vais les plaquer tout à droite pendant que tu braques. Je vais les mettre full droite là les voiles. Et tu vas tourner avec. Je m'en occupe aussi derrière. Ah tu peux les décaler. Ouais mais en fait t'as un truc. Non ça c'est pour la longueur Domingo. C'est celui de derrière là, regarde c'est celui où je suis là. Ah ok d'accord. C'est celui là l'angle, c'est la poulie en fait l'angle. Mais par contre, est-ce qu'on ferait pas mieux d'avoir une toute petite voile? Parce que là, on va bourriner à droite en avançant. En fait, je te mets du vent derrière. Moi, je pense qu'on va se garer là, on va se garer sur la plage, arrière. Les gars. Mais juste la voile arrière. Ok. Enlevez les deux premières voiles. Ça marche, capitaine. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est du squelette, hein, ça traîne. Non, rien, je vais t'enlever celle-là et celle-là, je vais. Non, justement, celle où t'es là, tu la laisses et toutes les autres, on les enlève. Ok. On les relève. Je vais relever celle middle. Vas-y. He's okay. En vrai, retourne-les dans la bonne position déjà, à mon avis ça suffira pour... Ça part mon dash. Et on y va. On n'a pas le temps. On va retourner du coup. Ah vous levez l'ancre vous. Ouais on n'a pas le temps.
Si c'est pas un peu tôt. Alors, on a pas fini encore hein, donc. Non, normalement, si le capitaine est bon, y'a pas de soucis là. Ok, nice. Tu sais piloter normalement. Non, c'est normalement, tu dois le gérer ça. On a confiance en toi. Tu préfères aller à droite? Bah, à droite, je pense. Sinon, on va prendre le pont. Ouais, on va à droite là. Là, mais là, parce c'est que bon. Sinon. Ok, ok. Sinon, c'est je bon, mets la boule. Bah, lui. C'est en cours, l'encre, hein, ça a jamais. Non, mais là, on est bon, le vent. Il... Ah non, on est vent contraire. Mais ça tombe bien. Non, mais ça tombe bien parce qu'on va tout doucement, on est vent contraire, c'est parfait. Par contre, ils ont enlevé l'encre, capitaine, il faudrait conduire. Oui, c'est bon. Y'a pas de problème, c'est dans la bonne direction en fait. Ok, nice, nice. Prends droit, peut-être le cul va taper. Non, c'est bon. Non, mais je vais, je gère la voile histoire qu'elle tape pas. On va perdre un bout de l'avant là, non? Ah, ouais, non, on va bon. Perdre un bout de l'avant. Ouais, ça va être de la merde. Je vais dans la cale, hein. Comment vous dire? De toute façon, là, on peut rester full droite. Là, on est bon, là. Ouais? Déjà une planche de sortie, hein. Quand vous allons-y! Dites. Ça se casse? Je crois qu'on est bon, hein. Ouais, c'est très solide. Voile dehors! Ça a l'air bon. Ça sort très très bon. Qui est en vigie? Qui est en vigie? Personne pour vas-y, le j'y vais. Je vais en vigie. Allez hop, c'est reparti. Que vois-je? On est reparti sur les flots, messieurs. C'est... Quelle est la destination, capitaine? Plein sud. J'ai trouvé ça très propre, la petite manœuvre. C'est derrière cette île-là. Est-ce qu'on peut me remettre les voiles bien droites, s'il vous plaît? Je pense notamment voile du milieu. Non! Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Il est tombé de la biche. Excusez-moi, je suis pas habitué d'être là-haut. Le mât central. Ok, le mât central, c'est bon, merci beaucoup. Et voilà, vous êtes bien orienté, bon. Capitaine, tout droit. Ça va être plein sud. Quasiment. Allez bon, vendre. Bon, oh non, on va pas vendre, non. On est tout droit, tout droit, ouais. C'est tout. C'est bon là, vous êtes bien orienté, y'a plus ah qu'à... Ah oui, oulala, j'avais pas vu que j'étais déjà plein sud. Là, attendez. Là, ça dévie, là ça dévie. Ouais, je sais, c'est en cours, c'est en cours. C'est un bateau. C'est en cours. Oh, y'a un bateau coulé là-bas. Oh, y'a des oiseaux et tout en mode rapace. Ouais, y'avait une épave, ouais. On est contre les épaves. Attends, par contre, cette carte interactive dans la cale, elle est quand même vachement bien faite. C'était quoi ce bruit? On a le vent à tribord, c'est dégoûtant. Ouais, je vois ça. C'est vrai que c'est dégueulasse. Je vois pas grand chose, messieurs, y'a deux. C'est l'île juste à droite là, tribord? C'est l'île qui est en face, vraiment, hein. Normalement. Ah, pile je sens en la... face? Ouais, pile en face, messieurs. Tribord, enfin, elle est en face tribord, ouais, elle est. Ok, ça marche. Et y'a pas grand chose dessus. C'est celle qui est juste là, la plus près, la grosse là. Ouais, la plus près, la grosse, ouais. Ok, ça marche. Oh, il y a la petite musique là! Oh, je me sens conquistador! Ah ouais, là c'est parti là! Oh ouais! Ah, Juice n'a plus de vie visiblement! Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a écrit I'm low on health? Ah non, mais c'est juste que je me trompe de touche en fait! Parce que tout le temps, Juice il envoie des messages, tu sais, je suis trop dans le jeu! Est-ce qu'il a besoin de nous? Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'on peut. Que pouvons-nous faire? Ah, c'est quoi ça? Ah ouais! Vas-y, ça manque souvent! Les artimus! Ça manque de cloche! Dans les épaves, il y a de bons coffres. Bah, on fera, mais là, quand. Vous êtes prêts à ralentir? Salut, mon capitaine, je suis au voile de devant. Du bateau pirate, faites un demi-tour en 3 manœuvres maximum. Ouais, j'avoue, c'était un peu ça. Ah, je pense que là, tu peux encore avancer à... de ouf en vrai. Ouais, bien sûr, mais c'était juste être prêt à ralentir parce que souvent, on a du mal à ralentir. Ok. Mais ça, c'est là où il pose, là bien... La voie semble libre. Non, pas du tout. Là, c'est. Oula, j'ai planté. Ah, non, c'est la deuxième partie de la mission? Ouais. Et on a une carte aussi là? Ouais, absolument. La carte est déjà actualisée. Oh, y'a déjà trois coffres. Je pense qu'on peut déjà remonter les voiles là, capitaine, non? En fait, est-ce qu'on ferait pas un petit lâcher d'encre? Non, on va comme ça, la salle. On va essayer un lâcher d'encre de ouf. Bah, ok, bah. Lâcher d'encre. Vas-y, essaye maintenant. C'est fait. Oui, c'est fait parce que j'avoue, si ça s'arrête pile poil, on est trop bien. Oh là là! Oh, c'est grave bien. On est bien, hein? Ouais, on est pas mal. Allez, moi je go. Allez, let's go! Ah mais faut qu'on reste sur le bateau, c'est chiant putain. Mais non, moi c'est... Non, moi ça va là. Ouais, ok. Vous allez voir. Vous allez voir quand le streamer reviendra. Vous allez voir dans 5 minutes le mec qui a entendu ça sur le live. Non, je peux pas me tuer. Ah, y'a quand même 3 coffres là. Alors attends, on est de quel côté de l'île du coup? On est arrivé par le dessus. On est arrivé par en haut. On est du nord de l'île. On est arrivé par en haut. Donc faut inverser. C'est pas très pratique. Oui, faut inverser la carte mentalement quoi. C'est pas très pratique, faut se Donc le premier coffre il est. Par là. Il est ici là. En haut, il serait par là. Ouais, au lieu d'être sur la gauche, il est plutôt sur. Ouais, voilà, plutôt ici. Il serait plutôt là. Y'a des squelettes qui ont pop. Oh! Oh bah. Mais oui! Oh le dash! T'es un one shot! Oh là là! Attends, je te fais les squelettes! Ah non, y'a Juice qui s'en occupe, c'est bon?
Ah, je suis là, mais attention, il y en a encore à corps avec vous. Ah oui, mince. Domingo, il a rien dit, mais il est parti chercher un autre coffre. Directement. Domingo, il a pas le temps. Là, j'ai voulu m'envoyer en. Il a voulu go direct. J'ai pas réussi à m'envoyer. Je vais chercher des planches et tout ça. Ah, t'as voulu t'envoyer en canon? Ouais, mais. En fait, quand il y a un boulet dedans, tu peux pas. Ah, nice, encore des boulets de canon, moi. C'est bien. Bien joué, Dash. Ah, alors, nice. Donc on a un petit chest. Ça va être un peu plus loin. Donc attends, celui-là, je le ramène juste près du bateau. Ouais, ouais, vas-y. À côté des ruines, là. Je ramasse des fournitures, hein, moi, de mon côté. Je vous laisse faire les coffres. Comme ça, je fais des allers-retours avec le bateau. Notre bateau est où par rapport à la carte? En bas? Il est tout au nord de la carte. Ah, voilà, c'est ça, ok, d'accord, c'est ce que je me disais. Je retourne sur le bateau. Vas-y, Dash. Va chercher Dash, je ramène le truc sur le bateau, t'en fais pas. Je vais au coffre tout au fond. Tu l'as mis où par contre? Je l'ai mis devant, sur la, au bout de la, à gauche là, au bout de la plage. Attends, t'es. Ok, c'est bon, je. Ok, nice. Donc, le capitaine il prend le coffre qui est tout au nord. Enfin, ouais, je suis déjà tout au nord là. Moi je ramène. Qui est plutôt tout au sud en théorie quoi. Oui, oui, pardon. Je reviens en bateau moi, les coups. Ah oui, donc sur le récif tout au bout, ok. Donc moi j'essaie de trouver celui du milieu. Là, je suis tout au bout. Ah, il est en plein sur le chemin, normalement ça peut le faire. Malgré l'éclairage. Est-ce qu'il est forcément dans du sable le coffre ou il peut être dans l'herbe? Non, 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 dans l'herbe il peut. Ah ouais? Tout à l'heure c'était le piège et on a cherché longtemps dans le sable et en fait c'était dans l'herbe. Ok. Quand Domingo a one shot avec son flair incroyable. Mais non, mais casse-toi, je voulais la carte. Donc le dernier rocher. Par contre, le bateau est loin non pour revenir à la nage là. Ouais, celui du. Ça va, ça va. Ah non, pour venir à la nage, ça va. Ah, dans la nage, mec. Ah, de l'autre côté? Non, ah mais ouais, de là où on a accosté, je veux dire, ça va. Ouais, non, mais PA, je vois qu'il l'a fait, enfin, genre rapidement. Okay. What? Ah, le coffre du milieu. What? Pas si facile en vrai. Pas si facile parce que jauger où est le milieu de la map, c'est pas si simple. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est dur, hein. Je suis un peu du père en vrai. Attends, alors le bateau est là-bas, ok. Il y a tellement de coffres en vrai. Mais oui, mec, on en a 10, hein, faut faire gaffe en vrai là, parce que. Ah ouais, on a plusieurs coffres là sur le bateau. Ah oui, on a 8 ou 9. Là, je pense qu'on revient, on se fait genre on est tous riches, hein. On arrive. Ce sera le jackpot, les gars. Et après, destination, c'est la chasse au trésor. Bye. Attendez, attendez. Je vais là, par contre, je vais sortir la boussole parce que là, ça va m'aider. Ok. Ah ouais, c'est archi chaud en vrai. Là, full sud. Full sud, c'est là. Ok, full sud, c'est là. On va aller à la plage. Ce qu'attend. On le perdra en fonction de ça. Le bateau est là-bas. Ok, j'ai passé le premier récif qui est ceci. Putain, c'est pas évident. Attends, mais. Ah, ok, cette plage est ici. Ah, ouais, d'accord, d'accord. Ok, faut que je réussisse à descendre. Ah, ouais, non, mais c'est vachement plus bas en fait. Faut que je monte encore. Ah, oui. Pour le moment, il y a sur le bateau. Merde, ouais. Putain, mais c'est trop compliqué là. Non, ouais, je vois pas. Là, ça devient hardcore. Je vais chercher, je vais continuer à chercher les fournitures. Toi, les dégâts, ah ouais, parce que l'île est très grande. Ouais, l'île est vraiment gigantesque en vrai. Hein. D'accord, donc là. Ah, voilà, donc ça va plus être là, je pense, mon coffre, moi. Vous me dites. Moi, je me charge en cannonball et en wood plank, je vous dis, c'est un régal. Je pense qu'il est plutôt par là. Ah, mais l'île est tellement géante. Oh, Et puis, on peut prendre le bateau et repartir de l'autre côté, en vrai. Hein. Ah, il va falloir, je pense. Hein. Enfin, remarque. En vrai, non. Une fois que t'auras trouvé un, hein, c'est bon. Mais en fait, je suis en train de chercher parce que je me dis, il y a peut-être des coffres random, pas. Moi, je me bourre la gueule, moi. Ok, ah bah, donc là, c'est là, on prend la vie d'un pirate maintenant. Défonce-toi la race. Oh, voilà, je. T'as ton capitaine t'autorise. Oh, je m'explose. Mettez-vous une grosse race, vous êtes en perme, hein. C'est horrible. Le bateau, vous l'avez laissé au même endroit ou vous l'avez bougé du coup pour l'instant? Non, on l'a laissé là. Ok. Donc ça, c'est. Je pense que c'est là. Donc Zerator, t'es par là. Oh, Zera! C'est le one shot! Ah non! Putain, qu'est-ce qui se passait? J'arrive pas à entrer. Ah putain! Ah, mais vous avez eu la notif? Ouais. Oui, oui. Moi, je l'ai pas eu. Ah. En fait, ça a fait poum et y'avait rien. J'étais là. Attends, c'est un caillou? N'importe quoi. Oh là là. Ok, nickel. Du coup, c'est qui là-bas? C'est Dash ou... Ah non, j'ai vomi. Bon, bah, du coup, reviens. Ah, c'est Dash. Ouais. Je vais faire tout le trajet, même si Dash, ça va t'as ramassé des fournitures. J'ai vomi, c'est horrible. Non, rien du tout. Je cherche que le coffre là. Ok, ok, vas-y, bah, je regarde les fournitures. Ah, je fais que BGR, quel enfer. T'as des planches de bois ici si jamais tu voulais ramasser. Je peux plus en ramasser moi de mon côté. Ok, je le ferai parce que j'en ai pas beaucoup en inventaire. Ça va, PA. Je souille le bateau du coup. Ça joue BGR de partout. Ah, voilà, c'est que du bonheur. J'ai une boulette de canon. Je vais passer par-dessus bord. Putain, par où je vais pouvoir revenir? Et le coffre, il est là où t'es là, Dash? Bah, je pense. Allez. Strike premier. Peut-être, hein, mais.
Un canon ? Ah ouais, j'avoue, Jus. C'est sur une tourelle. Ah, Jus, je suis là, regarde, salut. Yo yo. Tu viens, on revient. Et on a tous les coffres là ? Bah, ouais, on a tout. Non, il nous en manque un. Ah non, on a pas le milieu ! Ouais, ouais. Bah, je vais chercher avec Dash. Ouais, ouais, vas-y. Mais je suis pas sûr et certain, ça se trouve, je me plante de. Moi, je remets tout en question maintenant. Ah, mais. Ah, bah, je crois que je me suis mis à. C'est du pire. Le milieu c'est là où on était Jus environ. Je crois que je me noie. Bah ouais, c'est ce que je me dis aussi. Qu'est-ce qu'il fout l'autre? Je me noie les gars. L'autre là-bas il dit une autre game. Les gars, je me noie. Je vous le dis. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais ah non. Oh putain. Oh c'est bon. Ah ça m'a débourré. OK, allez dans l'eau, ça bon, enlève ça. L'alcool. Ah bah ouais, comme dans la vraie vie. Oh mais ça ouais. Bah... Un bon j'aimerais petit que cette équation soit la bonne mais malheureusement. Un bon petit blin bain pardon. Bon, moi je vais me. Attends. Ah ouais, j'ai des boules. Oh là là, le Jus. Ah, c'était un peu à côté, ok, bien joué ça. Oh le Jus. Nice. Ah, et bah désolé, en plus je m'étais mute pour faire un truc et je l'ai trouvé en stand sans faire exprès quoi. C'est je regardais même pas, j'ai lancé l'appel et j'ai trouvé. Y'a des squelettes, PA, PA. J'arrive. Une brochette, Dash. Voyage complète. Voyage complète. Bon, y'a une erreur, d'accord, messieurs. Voyage complète, non c'est complet hein. Mais... Ah j'avoue complet t'as bien géré. Il nage avec son mais, en fait c'est comme avec Domingo tout à l'heure, moi je creusais à côté de la zone depuis 5 minutes. À chaque fois il creuse un quart d'heure, il y a un mec qui arrive, c'est là. C'est juste à côté et il met le coup de pelle qu'il faut quoi, je suis trop deg. Alors par contre... C'est coffre tout ça. Ah non Dash, fais gaffe, fais gaffe. J'arrive. Il y a full requin. Ouh. Non mais les gars, faut les mettre dans la cale là, les coffres. Guys. Okay. Attends mais limite prends le coffre, tu m'as dit que c'était où les planches? Parce que moi tu m'as... Non mais ça c'est pas gênant. C'est de la gunpowder. Tu l'as mis où là le coffre? C'est pas faux. Attends je l'ai pour l'instant. Mais je sais même pas où il est le bateau, il est là-bas ou il est dans l'autre sens? Il est tout... Bah là tu vas tout en fait. Non mais il est pas texturé ce coffre là. Mais j'allais dans le bon sens. Oh là là, mais ça c'est cool. Sur le bon sens, tu vas dans le bon sens. Ah c'est le truc d'alcool. Je commence à comprendre pourquoi tu l'as pas amené en bas. Mais tu vois l'enfer quoi. Parce qu'après faut le remonter du coup. Eh oui. Ok, je replace les canons. Vas-y, je te prends des mains. Vas-y. T'as, regarde, il y a de la gunpowder là. On en a déjà deux, il faudrait voir ce que ça peut nous ramener. Ok, alors... je vais aller vider les planches et tout. Oh, quoique, je les ai sur moi. Ouais, non, les planches. La gunpowder, tu m'as dit. Ah, il faut qu'on. Ça se transporte aussi. Ah, ouais, ok. Bah, ouais, ça se prend. Et on en a déjà deux, il faudrait savoir si on peut les changer avec de la thune ou autre chose. Ça doit recharger les pistolets, non? Bah, en fait, c'est ce que je me disais, mais on dirait que c'est illimité. Donc, est-ce que ouais, c'est. Ouais, non, à mon avis, tu les vends. Oui, voilà, je pense que c'est okay. De la vente aussi, ouais. Ok, messieurs, est-ce qu'on peut repartir? Je vais établir une direction et un cap. Bon, ok. Et y'a pas de planche à prendre nulle part, c'est bon, t'as tout vidé? Ouais, on en a pas mal, là, déjà. Y'a encore des trucs à prendre, mais j'en ai déjà ramené pas mal. Et au pire, je ferai plus sur la prochaine île. Ok. Attends, on peut rentrer au bercail, quoi. Nice. Tu vois bien, les tocs de Zerator qui alignent tous les canons. Mais non, mais alors en fait, c'est utile. C'est pas un toc, hein. Bah, il lui parle. Ouais, je range le bateau. T'as les tocs de Zerator qui dirigent la baie, quoi. C'est énorme. Calme-toi, calme-toi. Y'a aucun requin, c'est bon parce qu'il m'aime bien, j'ai un peu. Tu tires dessus, ça explose. Ah. Les tocs de Zerator qui déploient les voiles pour avancer, c'est ridicule. Qu'il est con. Calmez-vous. Il est con, oh là là. Il a vraiment des problèmes. Bon, nord-ouest, du coup. Il est tout gris, le coffre. Faut juste faire gaffe à bien ranger les gunpowder parce qu'il semblerait que si tu perds dedans, ça explose. Donc ouais, ouais, ce que j'ai vu. Qui serait logique, mais ouais, en effet. Nord-ouest. Bon, vous levez l'ancre, messieurs. Allez. On est là. On est parti pour... Absolument. Gagner notre paye. On va gagner si plein de sous. Voilà, à mon avis, c'est jackpot, hein. Ah bah, je pense que... Ah oui, ça sera marrant à voir combien on gagne. Si on arrive à tout ramener. C'est sûr. Il faut... On a combien de coffres en tout? Il y en a 7 et 3 gros trucs de gunpowder au premier. Après, je sais pas si vous en avez mis d'autres. Ah ouais, on a 3 gunpowder et 7 coffres. Tout ça dehors! Est-ce que la carte c'est ok? La carte c'est bon, je sais où on va. Ah ouais, vous ça va mettre du temps avant de se tourner, mais. Ok. J'essaie de nous aider à ça. Je check en haut moi. J'avoue, il me faut une vigie. Tu veux aller auquel? Au Sanctuary Outpost? Ah merde. Bah en fait je comptais pas dire le nom en live mais comme tu veux quoi. Bah non mais dans ce cas là va un autre au hasard, c'est pas grave. Je vais à celui que j'ai entouré sur la carte. Ouais c'était pas. Donc, le voilà. Sanctuary Outpost, c'est un autre. Donc on verra bien ce que c'est. C'est l'autre bah, Outpost. Non du coup en effet c'était pas celui-là. Bonne chance à nous. Oh putain. Bonne chance à nous. Allez Nord-Ouest. Je pense que ça va être là-bas, c'est l'île que je vois là-bas à mon avis. Et là capitaine on retourne genre rendre les coffres. Nous quittons l'île. Absolument. Okay.
Nous vendons. Vendons. Oh, attention, là, il y a un petit îlot. Faut bien se payer. Petit îlot. Est-ce qu'il y a des bateaux? Il y a pas de bateaux, hein. Y a de la brume. Est-ce qu'on est d'accord que c'est l'île qui est au nord, là? Alors, c'est tout droit. Ouais, vous êtes a priori dans la bonne direction, là. Plutôt nord-nord-est, on est d'accord. Je suis pas en vigie par contre. Ah non, la carte, je parlais de la carte. Sur la carte, plutôt nord-nord-ouest, oui. Oui, bah oui, vu. Non, plutôt. Ouais, plutôt nord-nord. Bah j'ai l'impression, ouais, non, je sais pas. C'est laquelle, okay, c'est la grande, okay, okay, okay. Non, c'est, non, mais là, non, même plutôt. Maintenant, vu l'orientation, c'est plutôt nord-nord-est, oui, avec le bateau. Et je enfin, non, tout droit en fait, mais. Ah, tout droit? Ok, bah quasiment, ouais. Ok, ok, ça marche, j'ai confondu du coup. Mais là, je me repère pas, j'en suis où là? Ah oui, c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire? On peut acheter genre des améliorations. Enfin, ça sert à quoi? C'est que des skins du coup, les trucs d'achat? En fait, c'est ce que je disais. C'est que j'ai l'impression que pour l'instant, c'est que du skin. Après, peut-être il y a des trucs que j'ai mal vus, mais. C'est pour ça que je disais que ça a l'air assez limité dans le temps pour l'instant. Mais j'imagine qu'après, tu pourras améliorer dans le jeu final. Mais là, j'ai l'impression que c'est que du skin et l'aventure quoi. Alors là, vous êtes vraiment dans la bonne direction, donc je peux laisser tomber la carte. Ça marche. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un Fais gaffe hein, quand même en face ouais, de nous. Il y a un récif droit devant. Hein. Ouais, je vais à tribord, c'est déjà. Sans vouloir embrouiller tout le monde, hein, mais bon. Sans vouloir semer la discorde. Hein, voilà, c'est. C'est un beau rocher quand même. Ok. Je vais quand même voir dans la cale si on prend pas un peu l'eau. Et non, bah. Ok. Ouais. Trop stylé là, l'impression des vagues là, c'est très bien fait, je trouve. Ouais, de ouf. Le jeu est joli. Hein, on dirait vraiment qu'on est en tempête. C'est hyper beau, ouais. Je pense que c'est l'île derrière le récif, là, du coup. Ouais, c'est bon. Après, je me demande s'il y a moyen de vraiment de chavirer avec une tempête ou si c'est juste... Ouais, ça serait cool, parce que je pense qu'il faut des trucs un peu... Enfin, tu sais, si c'est trop... Pas timé, je sais pas comment expliquer, mais ça peut vite... Enfin, pas être chiant, tu vois, mais genre... Oui, c'est logique, c'est que tu fais vite le tour, quoi. Ça devient vite, va chercher un coffre, ramène, va chercher un coffre, ramène. Parce que voilà, en termes de contenu, moi, je me demande ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Là, à mon avis, après, le corps du contenu, ça va être peut-être améliorer son bateau et tout, quoi. Peut-être. Je sais pas. Mais en fait, tu vois, par exemple, là, du coup, on a notre bateau, nous, à 4. Ouais. Mais si tu joues en solo... Salut, toi. Salut, toi. Tu joues en solo, t'as un bateau en solo. T'en as un musicien, putain. Mais du coup, ouais, mais du coup, t'améliores ton pirate ou ton bateau? Tu vois ce que je veux dire? Bah, les deux, je pense. Et, mais là, par exemple, Dash, toi, t'as pioche en or. Si tu tagues en solo, t'as juste un autre bateau, mais t'as ta pioche et tout, c'est ça? Ouais, ah, ouais. Je sais pas, j'en sais rien du tout, ça, par contre. Ok. Bah, je suppose, ouais. Non, si, je pense que je la garde. Et oui, il y a des gens qui disent qu'on peut chavirer en tempête, visiblement. Ah, ça a l'air trop bien. Ça, c'est trop cool. Oh là là. Système d'alliance aussi, tu sais, où tu pourras te faire des raids. Dash. Ouais, peut-être, j'avoue. Une grosse bataille navale. Dash va à l'an, quand je te dirai. Ah, c'est bien, ça s'affiche pas, du coup. Oui, enfin, là, ça va, on a le temps quand même. Tant qu'un mec arrive. Il a pas l'air d'avoir de bateau. Il va falloir aller à l'ancre, en effet. Vas-y, j'y suis. Attendez. Vas-y. Tu vois ce qui se passe? Attends. Non, moi je vois rien donc je. Ah, go, attends, on est loin. C'est bon, c'est lâché. Non, mais t'inquiète, ça non, on est pas si loin, on va toucher. On est pas si loin. Ah, c'est lâché, hein, c'est lâché. Oh, c'est sublime. Oh là là. Bon bah, go, hein, parce que du coup, faut pas traîner. Oh, c'est sublime. Faut prendre les coffres, les gars. Go. Yes. Allez, chacun le sien. Oh là là. Ah, je vais prendre le coffre bourré, allez. Je m'y colle. Ah, tu le prends? Allez. Ok. Je pense qu'il vaut cher, donc je vais quand même le ramener. Il vaut cher, le coffre. Il vaut cher. Par contre, là, si j'arrive à. Ouais, non. Si j'arrive à rester tout au bout de la proue, et je tombe un instant. The chest of 1000 grogs. Ouais. Allez, let's go. Le coffre des 1000 shops, c'est terrible. M'a appelé, la squadiste. Bon, faut faire attention, y'a pas un bateau, MD, hein. Lol. Et on peut s'envoyer? Non, on s'envoie pas avec des coffres, ouais. Non, c'est con. Oh, question conne. Ah, ça fait beaucoup à mettre dans le canon. Non, question conne. Sacré canon. Passe à la suite, celle-là. Elle est pour moi. Wow, le mec. On n'est pas arrivé du meilleur côté vu l'emplacement de la tente du. Ah, bah, allez, écoutez, les gars, vous avez pas un coffre qui vous rembourrez, d'accord? Oui, c'est vrai. Prochaine fois, ça a l'air difficile. Je me plains pas vis-à-vis de ça, mais. Ah, il est là, c'est ça. Oh là là! Il est où? Et là. Ah, il est pas là, t'inquiète! Là. C'est beaucoup plus au fond! Ah, c'est beaucoup plus loin, d'accord! Si jamais! Oh, j'étais pas si sûr! C'est là-bas, ouais, là. C'est juste à côté de la fumée. Ah, c'est quoi? Grade 1, Keeper of the Glittering Horde. Commandation Unlocked. Attends, ça veut dire quoi? Bon, je sais pas, c'est des grades, je sais pas trop à quoi ça sert, mais. Bah, ça doit pouvoir débloquer de nouvelles quêtes et des trucs comme ça. Ouais, des nouvelles missions, hein. Mais ça serait cool qu'il y ait des ça boss quand même. Couilles, là. Parce que là pour l'instant les battles c'est que des petits squelettes, mais ça se trouve sur des îles il y aura des boss après, tu vois. Ok. Genre des fantômes ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut acheter une nouvelle mission? Ah bah non. Gold. Une mission, c'est ça? Grant access to Gold Buku Voyage. On a fini le jeu.
Allez. Bravo. C'est la fin de la méta. Non, si, si, il reste une mission. Mais du coup, la map est grande, je trouve, pour 100 joueurs. Ouh, ouais, après, tu vois vite les bateaux, quoi. Il va aller cher, ce coffre, du coup. Là, par exemple, on n'a pas encore vu un vrai bateau de 4. Hein. Ou de 3, je crois. Merde, ouais, c'est vrai. Bon, après, 70 balles, faut les avoir, les 4 potes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Le jeu est vachement cher pour une bêta, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sur PC, en plus, parce que je pense sur Xbox, il y a peut-être plus de gens. Mais je crois que c'est cross, hein, plateforme. Ah ouais, ouais, c'est cross platform. Ouais, en gros, ouais, c'est 100%. Peu importe, tu peux jouer. Si jamais tu veux sortir ta petite Xbox là pour y jouer, bah tu peux. Voilà. À tout moment. Ouais, évidemment, tu fais ce que tu veux, régale-toi. Tiens, Zera, il reste des coffres là qui rentrent. Oh, dans mais là, il y a un putain, mais j'ai envie de m'acheter un tricorne quoi. Juste pour le coffre, non? Où ça? Bah, il en reste 20 000 à ramener. Ah merde. Ah, moi je suis retourné. Ah, ouais, il en reste plein. Ah merde, j'ai arrêté. Ah, moi je suis en deuxième voyage là. Non, il nous en reste 12, les gars, sans vous faire chier. Limite à avancer le bateau parce que là, honnêtement. J'arrive. Non, non, regarde, ça se fait, ça se fait. Non, c'est vrai que 70 euros, les gens sont pas mal choqués par rapport à ça quand même. Non, mais c'est cher. En vrai, c'est très cher. Parce que j'avoue que moi j'ai eu. Enfin. Avant, tu sais, c'était le prix des jeux, tu vois. Mais maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que les jeux ont baissé. Ça a baissé beaucoup, ouais. Avant c'était une quarantaine, après ça s'est standardisé à 60, puis ils sont montés à 70. Et là les gens étaient en mode c'est chiant. Stop. Et là les gens disent bon quand même c'est cher. 60 déjà, bon. Mais il 70. Reste des coffres ou pas là? Il reste un coffre et 3 gunpowder. Ok bah je vais amener le coffre, hein. C'est parti. Ah on peut avoir une meilleure boussole avec la promotion suivante, ok. Meilleure boussole? Ouais, enfin une boussole plus jolie, pardon. Non, parce que moi je commence à avoir j'ai 1300 gold là. Hein. Je vais acheter des trucs. Azera, tu veux qu'on non, c'est bon. Ah ouais, j'ai 837. Ah, on peut s'acheter. Ah, t'as 1300 gold. Voilà, chance. Moi j'ai acheté les missions, j'ai pas autant. On peut s'acheter un tromblon, un seau. Attendez, mais avant d'acheter des trucs, peut-être que vous allez acheter des missions à ma place. Parce que je sais pas ce que vous avez comme mission disponible. Il y a un petit pompe qui donne envie quand même. Alors, moi comme mission, j'ai Marooning Mo. Et c'est tout? Et bah, Mad Oli. La première, hein. Ah, Mad Oli. Ouais. Attends, je vais les prendre. En vrai, on devrait en avoir deux parce que vu qu'on en a pris qu'une au début avec toi. Ouais, moi je les achète toutes. Je les achète toutes comme ça. Okay. Il me reste quand même 700 boules après les avoir toutes achetées. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on peut faire une quête qu'on a déjà fait? Regarde peut-être s'il y a des améliorations. On me dit dans mon chat qu'on peut améliorer le bateau. Ah non. Oh, j'ai un pont. Dans la bêta, ça m'étonnerait. Oh. Alors la gunpowder, ça se vend? On dirait pas ici, peut-être. Ça peut-être chez l'autre, peut-être là, non? Ah attends, je suis niveau 10, du coup est-ce que je vais pas monter en... Ah ouais. Et peut-être lui, ouais. Oui, tu peux acheter une nouvelle amélioration, j'ai l'impression, niveau 10. Tu l'as acheté la buco, buco machin? Bah non, on était pas niveau 10 encore. On vient de passer niveau 10 là. Moi je suis pas niveau 10, hein. Tu veux l'acheter? Tu veux l'acheter? Parce que t'as combien de gold dash là? Là j'en ai 694. Ah ok, parce que moi j'ai 1000 et quelques. Non, mais si, vous êtes niveau 10 normalement. Oui, oui, mais. Oui, là, on est tous, c'est en groupe, c'est un truc de groupe. Mais je l'achèterai, je pense, l'amélioration. Qui ouais. Vous avez combien de gold tous là? 456. 800 et quelques. Parce que Domingo vient d'acheter sa merde. Mec, j'ai un pont, gros. J'ai 3 armes. Ah, t'as 3 armes, ok. C'est trop stylé. Bon, bah écoutez, en tant que capitaine, j'achète la mission suivante. Bah, je prends Par contre, la gunpowder, on dirait que. Enfin, je sais pas. Hein. Et c'est pas un autre marchand, n'importe lequel? Je sais pas, je suis en train de regarder un peu ce qui se passe. Ah, si, ça a marché, mais y a pas. C'est quoi du coup? Ça a marché, les gars, mais y a pas. Pas ça m'a débité les golds, mais ça a pas marché la promotion. Ça, c'est terrible. Les skins, ils sont trop beaux en vrai. Ah, si, c'est bon. Oh, nice, y a une mission qui coûte 141 gold. Jolly Proger. Moi, je vois pas le ça. Le coffre caché de Jolly Proger. Nice. Ah, parce qu'il faut toutes les prendre? Non, j'en prends moi qu'une. Moi j'ai qu'une mission à 57 et à 86. Moi j'ai tout pris au cas où, ce qu'il y avait, mais il n'y avait pas encore celle à 100 et quelques là. Je pense pas que ça se vende. Okay. Non mais attendez, laissez-moi prendre les missions, moi j'ai les plus chères en fait. Okay. Donc là j'ai deux missions à plus de 150 gold. Donc on va faire ces deux là. Et voilà. Il y a plusieurs pages apparemment de missions, on nous dit, mais bon, je sais pas. Dash. Peut-être, ouais. Moi j'en ai plus que deux. Donc t'as pas trouvé, c'est ça? Non, j'ai pas trouvé, mec. Je vais le ramener sur le bateau. Mais y'a pas. Ah, peut-être qu'il faut, hein. C'est où le truc pour améliorer les bateaux? Moi, c'est ça que je comprends pas là. Non, mais y'a pas, sûr que non. Enfin, je sais pas. Bah, c'est pas Josie là devant sur le ponton? Moi, je crois que c'est le ponton, mais je crois qu'il faut amener le bateau sur le ponton, je crois. Ah, tu crois? Impossible. Tu penses? Parce que regarde. Ce serait où l'amélioration? Bah, là, c'est Josie.
Oh merde. Les... Ouais, mais là, c'est où? Alors, bah, Josie, elle est tout au bout de l'île. C'est très dur du coup, parce que je peux pas, tu vois. Bah, ouest 284, si tu veux. Bah, si jamais, oui, oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est elle. Hein. Je pense que Josie, ouais. Elle fait. Ah, là où il y a les deux drapeaux là? Ouais, là où il y a. Ouais, Jojo, oui, je pense qu'elle peut nous mettre bien en vrai. Petite cicatrice et tout. Non, non, non. En fait, c'est vraiment au bout de l'île là où il y a le ponton. En fait, là où il y a la tente. Là où il y a la tente. Côté bateau ou l'autre côté? Côté tente. Côté où il y a la tente du gars à qui on prend les quêtes. Juste à côté en fait. À l'opposé de notre bateau. Ok, je comprends. Ok, j'arrive. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. C'est dommage qu'on puisse pas afficher une map globale où on se voit les uns les autres quand même, parce que c'est un peu. Ok, bah là, du coup, j'aurais pas dû craquer toute ma thune à acheter des missions, peut-être si on peut améliorer le bateau. Ok, bah amenons le bateau ici, hein. C'est parti. Si le jeu a du succès, la map risque d'être trop petite. Mais non, mais c'est parce que c'est genre. Des mini-serveurs qui sont créés à chaque fois. Mais non, là, y a pas que 100 joueurs qui ont le jeu, du coup. Ça fait quand même peu quoi. Ah, ils sont 70 là du coup. Ah, c'est dommage, ça a pas trop de succès. Bon, ok, je sais pas où c'est votre truc, t'as, j'ai toujours pas trouvé, je suis quand même un sacré. Mais tu vois où est la. T'es où? Toi t'es sur l'île à pied là? Non, j'étais au bateau. Mais torso rouge. Amène-moi à l'upgrade, torso rouge. Va à la tente du gars qui te donne les quêtes là. Ah, on me dit, bonne info, c'est. Comment ça s'appelle? Les trucs de gunpowder là? C'est genre des mines. En fait, que tu jettes derrière toi si tu te fais chase. Ah ouais! Et du coup, tu tires dessus. En gros, ouais, je pense. Ça, je sais pas, mais j'imagine. Ok, bah oui. Il rigole l'autre. Parce que là, tu vois, là. Mais il y a des gens ici. Yes. A priori, on peut peut-être pas encore l'améliorer. Ça présente. C'est vrai si, faut juste l'amener le bateau ici, apparemment. Les gens m'ont dit que quand on amène le bateau, la zone se met en surbrillance et après c'est bon. Bah vas-y, on va faire ça. Alors, go, si c'est le compas de Jack Sparrow que vous avez dans les mains, vous êtes dans la merde, Capa. Attention à Barbossa. Vous venez tous dans le bateau. Merci les potos. Ouais, moi j'ai suis. Allô dis rien. Je suis sur le bateau, bonsoir. Eh les deux là, vous venez? Bah je sais pas si tu le ramènes, quel est l'intérêt? Wow. Ah. Pour naviguer un bateau. Oh, j'ai tué Das. Oui, t'as tiré dans le tonneau. Et j'étais juste à côté. Ah, il l'a piégé, terrible. Non, j'étais en alt-tab et pour revenir, j'ai fait clic gauche. Oh merde. Bon bah je vais revenir sur le bateau du coup. J'ai vu ça de si loin. Oh, je suis désolé. Ah, ça c'est best of hein, aussi hein. Putain. Oh mes excuses. Non non, c'est sympa la nouvelle arme que j'ai acheté en tout cas, pas mal. Ouais, non non, franchement c'est passé oh, tout. Oh merde. Tout le monde m'en veut dans ce jeu, les requins, les coéquipiers. C'est le cauchemar. Je suis vraiment le Maccabé du groupe quoi, c'est. J'espère qu'il y aura pas de requins. Bon bah écoutez, j'ai deux cachets, une jambe de bois, un bras en fer. Ce qu'on a pas vu encore, c'est les épaves. Non, ouais. Bah c'est moi l'épave hein, de la team. Oh non. Non, Dash on t'aime. Domi, TK, okay, Dash, le TK, coup, c'est vrai. Du coup, gauche plutôt, pas droite. Mais là, sinon on va se prendre le ponton. En avançant. Bâbord, pardon. Bâbord. Pour une fois que c'est pas Dash qui TK, mais en vrai les gars il faut que cette rumeur cesse, je TK pas en fait à la base. En vrai tu TK de ouf. Moi j'ai vu des vidéos où j'avoue que c'était un peu chelou à quel point c'était du TK, mais bon. J'ai vu des vidéos overcooked, j'étais en mode bon si qu'un extincteur pendant qu'on cuisine, voilà quoi. Bah c'est Dash. Ah bah moi c'est pour atteindre le feu en vrai. Cette rumeur vient d'une vidéo Smite où il ne s'est rien passé. Oh, putain. On passe à gauche, on aura le vent dans les voiles. Tu braques à gauche ou pas? D'abord ouais. C'est parti là, faut juste lever l'ancre en fait. Bah j'y vais, je m'en charge. Si comme il y a un tonneau, même deux à côté de l'ancre, si quelqu'un peut éviter de tirer dedans, hein. Ouais, c'est quelqu'un genre Domingo. Yo. Ça va les gars. Il est fort du tir. T'as personne à remarquer que j'avais acheté une robe quoi. Une robe. Ouais. Je suis déçu quoi. Ah ouais. Alors, il y a un mec sur le chat. Vous avez tous acheté des trucs alors qu'on a dit qu'on allait voir pour l'upgrade du bateau, c'est ça? Non mais moi j'ai encore l'école. Mais il y a un mec sur le chat. Ah, c'est le gros choc. Link et Terra ont voulu faire l'amélioration du bateau hier, ça a jamais marché, je crois que c'est pas encore sorti. Mais d'accord, et ben on va aller voir. Alors, je vais réparer la cale parce que ça fuit. Allez, on y va. Tournez les voiles. Ah, il y a 5 trous, c'est un plaisir. Tu prends les sauts. Les voiles middle. Ah non mais là mec, oh là 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 là, quel enfer. On est bien, on est en double saut, normalement il y aura pas de soucis. Hein. Heureusement que les sauts sont vraiment très grands. Hein, parce que... Ah, c'est du beau saut quoi. Tiens. Ah, bon, tu m'as jeté à la gueule. Faire soi-même sur ce bateau de merde. Tiens, connard. Toi-même. T'as un problème? Viens là, toi. Arrêtez de vous amuser à vous balancer de l'eau sur la gueule. T'es où? J'ai besoin de quelqu'un pour sortir les voiles, on est déjà dépassé. Tiens, tiens.
Allez, 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 je sors les voiles, capitaine. Mec, c'est mieux que pour aventurant, en vrai. Ah, faut monter les voiles. Ouais. Monter les voiles, c'est parti. C'est ton cours, capitaine. Excuse-nous, capitaine. Ouais, ouais. Pokémon a dit qu'il voulait faire une collab avec toi. C'est bon, stop, 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 stop. Faut quand même. En fait, faut tourner. Enfin, regarde, regarde où est la. Où est le ponton en fait. Faut amener le bateau là-bas. Ah oui. Juste, bon, relevez-moi la voile middle à fond. Ok. Okay. Et faut qu'on aille tout doucement, quoi. Voilà. Et juste, on va se faire à la. On va y aller à la petite voile. Je sais pas par contre où il faut mettre le bateau, genre à droite du ponton. Bah, il paraît que la zone rentre en surbrillance, mais quand on approche. Bah là, on est pas assez près. D'autres infos? Du coup là c'est pas bon hein, c'est ça. Là on le casse là, c'est bien ça. Ah, on peut mettre un mec dans la prison apparemment, d'accord. Eh mais attends, mais il y a encore de l'eau. Voilà. C'est terrible ce qui se passe. Je suis prêt à larguer l'ancre à tout moment. Ouais, c'est toujours pas en surbrillance hein. On fonce si vers jamais. Le ponton. La zone en surbrillance, je sais pas à quel moment ça apparaît. Non, mais il faut détruire le ponton et ça devient sur. Faudrait que ce soit maintenant. Et d'un coup, il y a surbrillance. Alors, l'encre a été lâchée, hein, je te le dis direct parce que je me suis dit, bon, là. Okay. On a les dailles, hein. Ah, là, on est quasiment à côté, là, MD. Bah, écoute, du coup, la zone en surbrillance. Je vais demander à. Mais il paraît que c'est pas. Il y a des gens qui disent que c'est pas sorti. Donc... Oh, les bateaux! Bateau tout droit! Merci, Artsnik. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je tire. Ah oui, d'accord, donc là ça part sur un tir de snipe hasardeux quoi. Ah oui, il est mort je crois les gars. Josie là elle donne du burin sur son atelier, ça. Elle me parle pas. Elle me friendzone, donc bon. Elle t'ignore complètement. Ouais, pourtant j'étais prêt à l'inviter à boire un petit rhum, mais visiblement. On s'en fout du bateau donc, Bah écoute, visiblement. Mais y'a des mecs avec des coffres hein, les gars. Ah oui, y'a des mecs. Ah oui, 100%. On va les chercher. On débarque à pied hein. Attends, okay. Bah, moi, prenez full munition, full munition les gars. Pas cette erreur, hein, pas après tout ce qu'on a fait. Ah bah j'ai zéro munitions. Où sont ces scélérats? Ah, je les rush au couteau. C'est ça, capitaine, c'est toujours à l'épée en vrai. Go, 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 go les pieds, go les pieds là. Moi, Allez, go, 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 go. Capitaine, c'est épée pistolet de temps en temps quoi. Moi je suis juste EV. Il a l'air de savoir où il va. On y va. J'ai plus trop de banane. Là je suis dans un arbre. Bah ouais, je. Le bateau il va arriver en centre, tu le vois, tu le vois. Eh, cachez-vous, dissimulez-vous. Ah ouais. Ils m'ont pas entendu normalement. Ah ouais, oh, on les a touchés. Ah oh, j'avoue, Juice il fait NFL quoi. Oh, je monte à l'échelle. Oh pareil. Oh oui, oh, magnifique. On est tous dessus. Alors, j'arrive. Oh lui, qu'est-ce qu'il y a là? Je vais l'exec. Il est là. Il est là. Oh, il est bien habillé. Oh, il est opulent, il doit être plein de graisse. Oh là là là. Oh. Oh, on peut tellement voler des choses. Oh, je vole son coffre. Voler, allez, voler, c'est un coffre de voler. Voler les ressources, voler les ressources. Ils ont quoi? Ils ont quoi? Oh, ils ont 25 bananes. Oh, les cons. Des vraies ressources, putain. Des vraies ressources. Des vraies ressources. On les a défoncés quoi, les mecs. J'ai pris ça. Ça a duré 2 secondes. J'ai même pas eu le temps de venir quoi, c'était genre. Oh mec, attends, mais ils avaient une mission, c'est quoi? Stash of Dirty Grandy Preston. On est immonde. Mais du coup, c'est pas chiant quand tu joues à deux, quand tu tombes que contre des mecs de 4? Bah, je crois. Je pense qu'il y a rarement des mecs de 4, on en a croisé aucun. Ah, mais Dark Wolfie, je te vois, hein, tu vas te calmer. Hein. Attends, mais elles sont où les bananes là? Putain, y a plus de bananes là, 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 ici, y en a 25 encore. Ah, oui, voilà, j'aimerais bien me soigner. Du coup, t'as pris le coffre, Dash? Ouais, ouais. J'ai rush. Quel cauchemar. T'as, mec, je crois que j'ai mis le pied devant et le bateau s'est arrêté quoi. J'ai mis le pied devant. Et c'est vendu pour 52 gold. Allez, sachez. Ah, 52 gold, c'est bien de la merde. Quand vous débarquez, ayez gratuit. Plus d'argent, s'il vous plaît. C'était moins cher que gratuit, monsieur. Ah, bah, je viens de passer niveau 10. J'avoue. Ah, pareil, ouais. Bon, bah, nous. Bon, bah, on retourne au bateau, hein. Du coup, ouais. En vrai, vous voulez faire quoi là? Ils avaient rien d'autre dans leur bateau? Non, ils avaient en vrai, on peut couler le bateau. Non, ils reviennent. Non, mais on va peut-être pas. Mais attends, on va peut-être pas les chain kill, on va pas. Alors, t'as payé 70 balles? Elle est comment l'expérience de jeu là? La vieille vengeance. Alors, cette bêta, 70 balles! Ils sont vraiment revenus de leur voyage juste pour vendre un coffre à 52 boules, c'est tout ce qu'ils avaient. 5 étoiles, hein, 5 étoiles on met pour ce jeu. Je sais pas, peut-être que tu étais à ça de près. Ouh, je crois qu'il te parle là. Oh là là. Direct, c'est de la tête, hein, c'est vraiment. Ouais, je crois qu'il y a un truc en mode genre. Oh, c'est vraiment, je suis un gamer. Genre, t'es vraiment super sympa ce que t'es en train de faire. Ah, il te remercie pour le service rendu, c'est ça? Yes. Il me bute. Il est en train de buter Juice à moi. Il est où? Je sais pas, c'est toi qui m'as tiré dessus.
Bah non, pas du tout, on peut. Ah, il est au fond, il est au fond de sa salle. Ouais. Attends, mec, il faut qu'on prenne des bananes, faut qu'on prenne des bananes. Ouais, j'en ai pris. Fais gaffe, il va peut-être te décaler. Je vais prendre la première balle, ok. Les gars, on s'en va. Je le charge, je le charge. Moi, je suis sur mon bateau aussi. Ah, bah, il est mort tout seul. Comment on va se barrer d'ici, putain, c'est trop horrible. Mais non, il faut. On fait quoi là, du coup, on a une autre mission. Vers la droite, et puis c'est ok. Enfin, vers. Il est mort tout seul, le type. Bah écoutez, je sais pas, là il est 23h30, vous voulez faire quoi? On peut faire une pause si tu veux, ou finir. Mais on fait une pause et on fait une autre mission. Vas-y. Ouais, ici. Genre, on fait une petite dernière mission, ça moi, va nous prendre moi, en vrai, une bonne heure et demie, mais osef. Pour la fin, je serais limite chaud de faire un truc un peu différent, genre soit une fouille par exemple d'une épave. Ouais, carrément. Ouais. Tu vois, genre un truc un peu genre. Parce qu'on le trouve. Parce que là, si on va sur une île et chercher deux coffres, tu vois, genre on aura fait que les mêmes mecs. Ou alors, si on croise. Déjà, on va lancer la mission pour voir. Voir si. Si ouais. Effectivement. Ah oui, ok, je vois toutes les pages. Ou alors pendant 45 minutes, bah on traque les deux gars et on les lâche jamais. L'enfer, tu sais. Tiens, Dash, viens voter pour la mission. Ah oui, ah, ok, c'est forcément des missions. J'oriente de... les voiles pour qu'on puisse repartir. Ah, j'avoue, je suis chaud pour tester soit une tempête, soit une épave, un truc un peu comme ça, quoi. Alors, mais... votez pour la mission. Yes. Allez où? J'en vois pas la mission. Comme vous voulez. Oh! Que les gens disent tempête comme s'il y a un endroit aux tempêtes. On va voir, on va voir, on va voir. Bon, attends, donc là on peut piloter le bateau et. Sinon, on prend des endroits sur la carte en mode. Est-ce qu'il y a des endroits rigolos? Ouais, voilà, tu vois. Ça, c'est un outpost. Je suis en train de lever l'angle. Okay. Attends, non. Pourquoi? C'est-à-dire que. Ah oui, tu veux faire ta pause, c'est vrai. Non, pas de soucis, c'est juste que c'était pas prêt pour la barre. Et Dash, qu'est-ce que tu fais là? Bah non, mais c'était pour pas qu'on parte en couille. Non, mais au pire, c'est ce qu'on peut faire, on reste en full vent et on regarde, bah, comme disait Dominique, on s'arrête sur les épaves, mais on va au bout de la map. Ouais, tu sais, on bombarde et soit on croise des mecs, soit des épaves, ouais, soit ça des marche, tempêtes. Ça marche. Vas-y, pas de problème. On va au bout du monde et puis ça se trouve, on tombe dans le monde des morts comme dans le film. Hein. Et au pire, sinon, ça serait cool si on check, enfin, si on tombe sur un bateau de 4 gars, limite. De faire une bataille navale, quoi. Ah merde. Non, mais y'a quelqu'un sur l'île, c'est vous là? Non, c'est les mecs qu'on a tués, il a mis ahoy. En mode ça va. Rendez-nous l'argent, il nous a. Bah, je dis, il en veut, hein. Ah, pas bon, c'est que moi, mais. Rendez l'argent. Bon, vas-y. Allez, vas-y, donc pour cette dernière partie de gameplay, mesdames et messieurs, on va tenter de faire un truc différent. Vas-y, Jules, sors ton arme. Les pires mecs. Non, mais il demande là. Il veut nous suivre. Il arrive sur le bateau. Mais il veut juste être recruté. Bien. Attendez juste, regardez aux escaliers hein. Bah ouais, moi aussi, ce que je fais. Touché. Oh, il m'attaque. Je suis à l'autre échelle. Raté. Vous l'avez tué? Mais où est ce manoir? Est-ce que on va vers un récif hein, je dis ça comme ça hein. Hein? De ouf hein. Mais de ouf hein. Ah ouais. On a plus faire, faut laisser full droite. Oh là là, des barres. Bah oui, il faut réorienter les voiles en fait, parce que moi j'en... C'est bon, non, c'est bon. C'est bon, on va pas le prendre. Ok, ça marche. Vas-y, je monte là-haut. Je vais voir si. Non. C'était la sur un récif. Non. Bah c'est vrai sur le capitaine, on va aller vite là. Ouais. Et enlever le baril de poudre. Non mais gardez. Venez les mettre là où je suis les barils de poudre. Comme ça, si on doit les larguer derrière, on est. Ouais, mais c'est chaud parce que s'ils nous tirent dessus et qu'il y a une balle qui touche, c'est fini. Quoi là? Ouais, mais ils savent pas. Ouais. Mais je pense qu'ils savent pas où ils tirent. Tu vois ce que je veux dire? Non mais oui, j'avoue. Du coup, tu sais, genre. Enfin, moi, je sais pas où je tire de mon côté. Mais regarde, si tu le mets là, y'a aucune chance. En vrai. Oh là! On prend l'eau de ouf! Quoi? On prend l'eau de ouf! Ah ouais? Pourquoi? Oui. Oh, épave! Épave en vue! Écopé! Oh putain! On va couler! Les gars oh, non, non, je suis en train de réparer au fond, on va couler! Je suis sous l'eau, je répare! Ça va couler! Je suis arrivé en catastrophe! Mais capitaine, conduisez! Je suis sous l'eau! Non, je peux pas! Y'a une épave en face! C'est bon, je pose la deuxième planche! Oh, y'a une ça va être tout, l'épave! Jette l'encre! C'est bon, j'ai réparé, normalement y'a plus qu'à vider! Non, attends! Où est l'épave? Il a réparé! Mais c'est où l'épave? Je vois pas, je crois qu'il y a des corbeaux au-dessus! Ah ouais, ok, c'est des mouettes, je pense, Domingo! Ouais, mais je sais pas, moi j'ai voulu! Je crois qu'il y a des rapaces! Des vautours! Des aigles royales! Oh putain! Plusieurs aigles royales! Entre le on fonce dans un récif et on prend l'eau, on était au top. Je vais faire un peu le vigile. Ils lisent des journaux! Le Rap Your K! C'est quoi ce truc? Eh bah écoute, vas-y, moi je propose que. Bah lâche l'encre en vrai, hein! Vas-y, lâche l'encre! Attends, encore. Mais c'est assez profond? C'est bon, enfin, c'est fait! On est loin! C'est où qu'on doit aller? Eh bah là c'était derrière. Mais là regarde au-dessus de nous! Mais au-dessus de nous, y'a des mouettes! Pourquoi vous dites derrière nous?
Mais parce que regarde. Ah oui, en effet. Ah, elle est pas, elle est là-dedans, vous pensez? Bah les gars, faut plonger, hein. Alors, je veux bien faire l'expérience, mais étant l'ami des requins, à mon avis, c'est la merde. Mais les amis. Y'a pas d'épave, c'est des poissons qui en dessous. C'est pour ça qu'il y a des mouettes au-dessus. Ah ouais? Eh bah c'est ce qu'on va voir. Je sais pas, j'ai jamais habité, à la mer, bon, désolé. Vas-y. Ah si, y'a une épave. Oula, y'a une épave. Et voilà, y'a une épave de la colère d'Hadès. Oh merde, c'était pas ça. Elle est où l'épave, mec? Elle est dans l'eau, elle est sous l'eau. Sous les mouettes. Ah ouais. Faut pas la voir en fait, faut plonger. Non, enfin quand tu plonges, tu la vois sous l'eau. Ouais, c'est l'épave de la colère d'Hadès. Par contre, on est d'accord qu'on respire à l'infini dans ce jeu ou? Bah apparemment. Mais y'a aucun requin. Y'a aucun requin qui peut nous embêter là, nos jobs. Bah, c'est pour ça qu'il faut prendre des armes, je pense. What? Attends, comment ça se passe pour la direction dans l'eau là? Oulala! Oh, y'a un coffre! Oh non, mais 1000 grogs, ça va, oui. Le mec, il est lassé. Non, mais ça va. Oh, mais je suis entré de l'autre côté, c'est trop stylé! On a bien fait de faire ça. Bah, la pause, ça sera plus tard, hein, du coup. Non, non, mais y'a pas de pause, y'a pas de pause. Est-ce qu'il va y avoir des poulpes? Oh, je peux pas rentrer par là, oh, j'ai le seum. Oh, mais là, je suis bourré dans l'eau, mais c'est. Oh, y'a des requins quand même! Est-ce qu'on avait un jeu pire qu'un mec bourré dans l'eau? Enfin, je sais pas. Mais vous êtes où? J'ai l'impression qu'on n'est pas sur un bateau. Si vous voyez que vous êtes en train de vous noyer, prenez une banane en vrai. Ah, on n'est pas dans la même? Ah, si, c'est bon. Viens, voilà. Regarde derrière toi, Domingo! Domingo! Tu me protèges, je ramène le coffre? Un requin juice! Ah! Et protège-moi! Attends, je recharge, gros! Oh, je suis dans la merde, je vais crever. Attends. Mais non, c'est bon. Vous êtes où? Vous êtes où? Ils sont juice, viens m'aider! Il est mort, le requin est mort. Ah oui, j'ai un requin au cul en fait. Oh aussi. Mais merde. Où ça, mais t'es où toi? Je suis dans l'eau. Oh merde! Je me fais crocaille. Ah lui il est mort lui. Down. Je meurs de noyade. Ah oui, moi aussi. Ah mais il y a aussi, moi aussi, remontez. Oh le coffre ça flotte. Bonne info ça. Alors c'est bien, ça indique pas du tout s'il nous reste de la du souffle ou pas en fait. Ouais, en vrai t'as masse temps. Enfin moi je suis resté un milliard. Oui, moi aussi, c'est une belle appel pirate quand même. Mais tu peux pas prendre une banane? Si tu peux dans l'eau. Mais voilà, oh non, bon. Oui, mais moi je suis sorti de l'eau, je suis mort, là. Quel enfer. Si tu peux counter le dot, ça va. Ah, j'ai eu le requin, Oh, nice. Est-ce que le coffre flotte à côté? Oui, le coffre flotte. À côté, toujours à côté. Nice. Allez, on attend la porte. Tant qu'il y a une personne vivante, ça va en vrai. Ah, il y a un autre requin. Un deuxième même. Mais what? On arrive. Vos armes. Oh, t'es passé toi? Ah, mais c'est le bidon bourré. Ouais, parce qu'en fait, je suis mort avant. Ouh, c'est bon, la porte s'ouvre pas tout le temps pareil. J'ai pris une banane. Non, je pense que quoi qu'il arrive, c'est 30 secondes dès que t'arrives, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut combien de temps pour les... C'est bon, le coffre est en haut. Mais les requins, moi j'ai tiré 3 balles, il est pas mort le truc. Ouais, je pense qu'il prend plus vite les coups de cut. Ah, vaut mieux le. Ok, parce que. Oh, c'est beau quand il fait beau. Oh là là, je suis en écran blanc moi. Beaucoup mieux quand il fait beau. Donc on a ramené le coffre du bourré, c'est bon? Ouais, c'est bon, il est au niveau de la salle du capitaine. Oh là là, on a pillé les places. Du coup, il y avait rien. Où le vent là? Ok, le vent est là-bas. Il y avait rien de plus? Levez l'ancre. Il semblerait pas. Il y avait qu'un petit coffre. Levez l'ancre. Allez, j'y suis. Je tourne les voiles. C'est où qu'on charge son. Non, pas tourne les voiles, pas la peine. Oui, quoi que, ouais, tu vas te. Bon, je vais tourner. J'ai le time pour l'ancre. Ok, j'arrive. Non, tranquille, vous me faites chier. Oh, vous emmerdez pas, les gars. Non, c'est pour moi. Oh, jouez. Non, mais il fait beau, vous avez raison. Faites-vous plaisir. J'ai tourné ce canon. Où c'est qu'on va, du coup? Bah, on va tout droit. Alors, les gens me disent que les nuages, les tempêtes, c'est dans les nuages. Mais oui, non. Jusque-là, les gens n'ont pas trop tort. Mais non, le chat Twitch de mieux en mieux. Non, prenez... on ne saurait rien, le chat. Prenez-le comme ça, je dirais plus rien. À l'envers. Non, mais le problème, c'est que je m'en Non, mais c'est pas toi, c'est le chat. Non, mais on va où? Tout droit. On fait full vent et on voit ce qui se passe. Ouais, moi je suis d'accord. Tout le temps, full vent et on voit ce qui se passe. Tu veux juste expérimenter? Est-ce que là, on prend l'eau de ouf, par exemple? Bah, je vais regarder. Non. Non, zéro. Et on fait. Donc, du coup, là, on va au hasard, pas de quête ni rien. Tu me dis apparemment, l'eau ça mouille. Oui. C'est bon ou pas? On savait déjà. Il y a un récif devant, attention quand même. Quelqu'un monte à la vigie, ce serait pas mal en vrai. Oui, j'y suis. Ah, ok, t'y es. Nice. Mais là, est-ce qu'on avance pas vers rien? Si, vers les horizons azur, l'infini. Je vais aller check la carte quand même. Ah, ouais! Ah, bah, on va voir ce qu'il y a au bout de la map, les gars. Mais la mort, je pense. On est bientôt au bout de la map, on va voir ce qui se passe. Hein. Bah, on va atterrir en haut de l'autre côté, quoi. On aura fait le tour du monde. Est-ce que la Terre est ronde? On va voir. Oh, c'est le moment de savoir.
La Terre a pas l'air ronde, hein. À mon avis, on va tomber dans le vide et ce sera la fin. On va faire bugger le jeu. On va décéder. Putain, Joss, mec, t'as vachement d'équilibre, hein. Bah ouais, écoute. Regardez, c'est pour ça que je suis un pirate ou quoi, enfin, genre. Regardez, il est archi chaud, hein. Ouais. L'équilibre du mec. Je suis en tank, mec, hein. Vraiment propre, vraiment propre, mec. Et ça tombe dans l'eau et ça se fait graille. Allez, allez. Là, t'imagines, un requin qui saute, ça me bouffe, genre. Bon, on y est pas là par contre à la fin du monde. Récif, à tribord, terre en vue. Attends, je regarde si la terre est ronde, deux secondes. Ah, ça nous tourne tout seul. What? Ah, en fait, depuis tout à l'heure, notre bateau tourne. Ah, on ne peut. Bah oui, parce que les voiles. Est-ce que les voiles sont droites déjà? Non, non, juste ça tourne automatiquement parce qu'on est au bout du monde. Ah, ça se fait de manière smooth. Heureusement que t'as remarqué, on aurait pu rester là 40 minutes. Putain. Ah, non, non, ouais, ça nous a fait faire demi-tour. Bah, y'a une île un peu chelou. Ok, je tourne. Direction la tempête, messieurs. On va dans la tempête. Oui. Nous affronterons l'ouragan. Le Kraken. Libérez le Kraken. Elle est chelou l'île en face, on dirait qu'il y a une sorte de forteresse ou je sais pas quoi dessus. Oui, j'ai vu qu'il y avait des. Y'a un truc qui s'appelait Forteresse of Machin, c'est peut-être ça. Vous voulez qu'on s'arrête? Bah, je sais pas, y'a peut-être des. Des prisonniers. Peut-être des mecs à buter quoi. Mmh. Un truc un peu marrant, tu vois. Moi j'ai envie d'aller dans la tempête. Bah, allons dans la tempête, hein. Elle est pas loin de toute façon. C'est que c'est vent contraire, c'est chiant. Ah ouais, la forteresse, je vois. Capitaine. Ouais. Je peux essayer. Vas-y. Ouais. Ne vous blessez pas, torse rouge. Merci, capitaine. Merci. Oh, bon, capitaine. Regarde en bas là, il y a plein de tonneaux. Waouh, tous les barils en bas. Oh, mais c'est des caisses. C'est peut-être des coffres. Non, pas du tout. Non, c'est des barils. Barils de poudre. Par contre, il y a des mouettes, donc il y a une épave. Oh, le chou. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr que c'est une. On fait quoi là ou? Non. Mais j'avoue qu'on voit rien quand on conduit. Ah ouais, non, c'est pas ouf. Ah ouais, la vache. T'as une énorme. C'est moi. C'est pas la game que j'ai vécu. Ouais, ça a l'air trop bien, ça là. C'est la combat, c'est ça. Tiens, reprends. Là, on fonce sur la forteresse, hein. Okay. Parce qu'il n'écoute pas du tout Dash. Ouais, pardon. Non, mais là, on fonce vraiment sur la forteresse, hein. Ah bah oui, mais quoi qu'il arrive, on peut jeter l'or. Écoutez, c'est Domingo à la barre, hein. Ah non, moi, j'y suis plus, hein. Ah ouais. Ah non, mais là, il va falloir larguer l'ancre, les gars. Attends, tout droit. Non, c'est bon, on peut larguer l'ancre. On est trop loin. Non, en vrai, le temps que ça freine, maintenant. C'est bon. Braque à gauche. Oh, je braque rien du tout. Eh, c'est magnifique. Et boum. Ok, ça va. Eh, en vrai, on est de mieux en mieux. Oh là là. On a jamais été aussi bien, les gars. Ah, je me suis fait mal, mais je connais la tête. Je suis bloqué. Voilà, c'est quoi cet endroit là? Bah, aucune idée, ça a l'air un peu mort. Là, y'a un baril de poudre. Yes, sir. Y'a rien ici, on est pas en mode quête. Mais ouais, là ça aurait été cool qu'il y ait genre des PNJ un peu pirates. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, bien sûr. Quoi, qu'on puisse. Mais qui nous tire dessus quoi. Non, c'est les Gunpowder, on s'amuse avec nous. Ah ok, parce que ça a failli me tuer du coup. Oh là y'a un trône, genre. Enfin, pas un trône du tout, mais genre un. Comment dire. Le chef des brigands, il vient s'asseoir là. Je vais au cœur de la forteresse. Attends, du coup, est-ce que le canon. Ah ouais, le chef des brigands, j'avoue. En fait, ça fait penser à. Waterworld. Un film là. Waterworld, exactement. Ouais, c'est avec ça. Kevin Costner. Eh oui. Attends, les références de Domino. Mais on était allé voir ça, non? À Universal, absolument. À Universal, c'était incroyable ce spectacle. Los Angeles, oui, c'était vachement grave. C'était quand? Il y avait deux du ans, feu et tout, un avion. Ouais, c'était de cascade et tout, grave non. Cool, quoi. C'était pas l'année dernière? Deux ans, c'était, je pense. C'était en 2016, non? Ouais, le Gaming Trip, là? Non, c'était 2016, ouais. Pas tout à fait, il y a deux ans. Ça, je me dis, c'est mon temps, il passe vraiment très très vite quoi. C'était... Y'a pas grand chose. Bah, moi je propose qu'on prend le contrôle, de cette île, on attend les bateaux, les gars. J'avoue. Qu'est-ce que vous en pensez? On prend le contrôle d'ici et puis on attend. Hein. Y'a des canons en haut. Oh, y'a rien dans les tonneaux. Ah ouais, c'est trop bien pour un event ça. Ouais, j'avoue. Venez nous chercher. Ah ouais, j'avoue. N'hésitez pas. En vrai, y'a 4 bateaux, moi je panique et c'est fini. Essayez de prendre la forteresse, ouais, ça peut être rigolo. Bah GG, vous avez réussi. Ok, bah le premier bateau a réussi, venez plus, c'est pas la peine. C'est bon, bah nous on va respawn. On va essayer d'y revenir. Non mais laissez-nous rentrer. Mais on peut refaire le scénario du début, on était déjà dessus au début. C'est chiant. Bon bah retour sur le bateau du coup en pleine du coup tempête. En pleine tempête, George Clooney, tout ça. Allez. Direction la tempête! Quand t'exploses une gunpowder à côté d'un canon, ça explose pas le canon quoi. C'est... Oh là là, mal fait ce jeu, mal fait. Solide, hein.
Ah non mec, ça explose un canon, ça bouge. Ah ouais, putain, je deviens parano dans l'eau, je regarde partout autour de moi, t'sais. Par contre, en vrai, ouais, comment on se casse là? Marche arrière. Bah non, faut tourner les voiles, c'est tout. Bah on va le faire. On va tourner les voiles de derrière, on va replier celle de devant. Faut replier celle de devant. Voilà, voilà, moi je replie celle de devant, sauf la dernière, on va la retourner. Bon, je replie middle. L'autre il est en train de jouer sa musique derrière. Et on laisse celle de derrière. Levez l'ancre. Le troubadour de la bande. Levez l'ancre. Et on la met où celle de derrière? Celle de derrière, tu la mets vers la droite, on l'oriente vers la droite. Ouais, tu mets full droite, mais là tu peux la laisser aussi. L'idée c'est d'avancer très doucement. Oh là là, quel talent! Et moi je m'apprête à. Bah, prendre la barre du coup, puisque personne. Non. Bien vu ça. Non, t'inquiète, la barre c'est bon, elle est déjà. Oh là là, mais capitaine, ce talent! Tu dépasses les limites de la map avec ton équipage, c'est super sympa. Bah non, ça nous attège! Ouais, on peut pas dépasser les limites de la map. On vient d'essayer en fait. Les gens ils inventent des scénars, tu sais. C'est super sympa. Mec, tu vas voir, c'est ouf. C'est bon, vous pouvez déployer les voiles. On y retourne. Ouh, de voiles dehors. Donc on fonce vers cette tempête là. T'as déployé les voiles, c'est tellement en 2 secondes quoi. Ouais, ouais, c'est agréable. C'est genre... pas dégueu ça. Ouais, on fonce vers cette tempête. On va l'affronter. Oh là là. Si tu peux, tu peux, tu peux. Ah. À la nage, la barre, ouais, mais c'est chiant quoi. C'est tout de suite, bon, les gens veulent voter pour que vous m'emprisonniez apparemment. Donc, ah, vas-y, je veux bien essayer. Vous avez le droit de. Vous, comment bah, apparemment, vous pouvez voter pour. Définir qu'un mec est dissident dans l'équipage et. Genre, vraiment relou lui quoi. Ouais, voilà. Et vous le mettez en tôle. Parce qu'on peut même pas l'ouvrir là. Et après, vous pouvez revoter pour le sortir. J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Bah, la seule table où on peut voter, c'est le capitaine, quoi. C'est au capitaine. Peut-être qu'on peut voter pour autre chose. C'est bon la barre là? Ouais, à peu près. Allez hop. On y va. C'est dans les menus. Ah bon? Ah oui, c'est bien de la merde. Niveau immersion, on est pas. Pause! Ah oui, vote lock pour Dash. Mais ça y est. Ah là là, terrible. Vote lock in the brig. C'est dans les menus. Le chat qui est contre moi, c'est terrible. On fonce semi vers un récif, mais... Ouais, je gère. Ok. C'est bon, il est loin. T'as voté, Juice? Non. J'ai pas trop envie d'envoyer Dash dans Moi, j'ai voté. C'était pour tester, visiblement. Mais Dash, c'est porté volontaire, je l'aurais jamais envoyé tout seul. Attends, mais il est où le menu, du coup? Faites donc. Ah. Micro? Moi, je veux croiser en fait, un tu vas sur Dash. Tu vas sur Dash et tu mets vote in the machin et tu mets yes. Ah oui, ok. Yes. Ah ouais, je suis téléporté. Yeah. Banished into the brig. Oh non. Mais t'es où? T'es pas du tout dans la cale? Bah je sais pas, je suis de l'écran blanc pour l'instant. Donc ah bah en fait on la kick, on vient de le kick en fait, je pense. Tu crois que c'est un kick? Ouais, je crois qu'on vient de le kick non, du coup. Non, il est encore là. Enfin dans le... Oui, il est encore dans le... Ah mais on peut pas le sortir après. Vous pouvez voter pour sortir. On peut pas voter pour sortir, non. Non mais attends, à mon avis, il va se téléporter, mais il va se téléporter dans la cage, c'est ça? Sûrement. Je crois qu'on vient de TK Dash. C'est archi long de vous. Il s'est porté volontaire. Non mais faut tester, hein. Il y a un moment où... Faut tester, hein. La tempête est... Ah oui, je suis dans la cage. Oh ouais. Oh, je suis comme une... Enfin, la victime. Je veux te voir. On peut te donner des bananes ou pas? Attends, je vais te jouer un truc. Ah, c'est sympa de me divertir. Cette téléportation et ce chargement pour ça, c'est quand même. J'avoue, franchement, nul à chier. Moi, je trouve que c'est un peu overhype. Hein. La cage est un peu overhype quand même. C'est overhype, ouais, c'est à chier même. C'est. Idée nulle du chat. C'est le truc qui va. Mais sur les autres streams, c'était grave marrant, faites-le. On a grave rigolé, je m'en rappelle. Et là, maintenant... En réalité aussi, c'était quand même bien ouf. Maintenant, je vais devoir réattendre 70 minutes pour ressortir de la cage. Oh, il y a un nuage et rouge. Attends, mais non, on va te sortir. Mais même, à l'écran de chargement. There is a minimum sentence your crewmate must serve before we can release. Ouais, c'est 15 minutes. Ah oui, 15 minutes minimum. Ah oui, bah les gars, vous êtes. Ah merci le chat, hein, les idées, hein, vraiment. Ah, mais les idées de merde. Oh, le chat nul à chier. C'est 15 minutes. Non, mais Dash, si tu veux voir la tempête, tu peux regarder le stream. Y'a aucun souci. Bon, bah écoute, ouais, je vais à le tab. Hein. Je vais me noyer avec le bateau. Non, mais par contre, il va se noyer si on prend des trucs, je pense. Mais on l'a saigné. Chacun ses problèmes. On arrive dans la tempête. Le chat de Cotoret. Non, en vrai, on est grave loin, je crois. Je crois que c'est juste la nuit, Domingo. Aïe aïe. C'est pas d'overhype, Domingo, je crois que c'était juste la nuit. Oh non. Mec, je crois que la tempête en fait. Oh, y'a un bateau à tribord. Ah ouais. Ah oui. Deux bateaux même. Ah bah, c'est bien. Bah, écoutez, hein, débrouillez-vous. Sinon, je te tue. Dash, je t'amène un baril de gunpowder, je le fais poser. Ah, mais non, ça va exploser le bateau sans. Ouais, mais imagine, je meurs et je ripop dans la cage.
J'ai pas envie de savoir. Et on est tous dans la cage. Bougez-vous. C'est rouge. Ah là là. Ah, j'ai raté. Beau shoot. C'est terrible. Oh. Oh bordel. Ah, je suis mort. Le bateau. Ah. Ah, je suis mort. Ah oui, écran noir. C'est n'importe quoi. Oui, écran noir, je suis dead. Je pense. Et toi, vous êtes tous morts? Est-ce que vous êtes tous morts? Ah non, c'est pas le bon item ça. Tous n'est pas mort visiblement. Ah oui, Torse Rouge est là, Zerator Twitch est là. Salut Torse Rouge. Salut. Salut les gars, vraiment un plaisir. Bonne juice, bonne chance. T'es dans la tempête toi Juice? Ouais ouais, je vide des seaux là. Bon, en fait, t'écoutes pas trop ce qu'on dit Juice finalement, parce que tu serais mort aussi quoi. Des bonnes idées. Ah, parce que c'est les autres barils qui ont dû exploser aussi. C'est bon, c'est ouvert. Oh là là, mais quel enfer. Et l'écran blanc. Est-ce que je vais être amené dans ma cage du coup? C'est le grand suspense. Mais comment? Non mais est-ce que les développeurs ont vraiment testé le jeu? Parce que quand tu vois cet écran blanc pour la première fois, est-ce que tu te dis grave bon boulot les gars? Tu te dis là les gars, cet écran blanc de ouf, c'était vraiment la... Ah, moi je l'aurais mis un peu plus long. Ah mais on a coulé. Ah mais on a perdu, mais fallait le dire. Bah c'est pour ça que je vous ai laissé au check quand tu as dit Non. Et voilà. Tristesse. Oula, et oui, moi je ripop dans la cage, hein, je confirme. Hein. Ah ouais? Oui, bien victime là. Ouais, ça devient une épave? Bah écoute, ah ouais, hein, moi je suis bien là, hein, je suis dans l'eau, dans la cage, je suis heureux. En fait, ce que t'es en train de dire, Juice, c'est que t'as pas réussi à sauver le bateau quoi. Ah, ce qu'on est en train de dire, c'est que je suis en train de die. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qui va être. Non, Dash, je te vois à travers le mur. Le bateau va ripop et ouais, dans la cage. Est-ce que je peux faire du clipping et sortir? Est-ce que je peux être out of bounds et speedrun le jeu? Oh oui! Out of bounds, je nage! Oh Dash! Non, il a des pop Dash le bateau, c'est pour ça. Déposez donc. Non, non, c'était ouf Dash. Ah oui, mais là ce requin n'a pas des pop du coup donc. Oula. Mais le requin se trouve ici. Qu'est-ce que t'as? Dégage! Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Dégage! Oh! On va poser Idon. Ils ont tous des flèches. En fait, c'est quand tu tires une balle, ça fait une flèche, non? J'ai l'impression. Attends, j'arrive pas à remonter à la surface. Tiens, voilà. Mais du coup, quand on est à notre moment là, c'est-à-dire seul dans la mer. Ah non, il y a Poséidon. En fait, t'attends Poséidon. Ouais. Oui, j'avais. On l'oublie trop vite. Tiens. Eh, moi, les requins, c'est déjà 3 kills. Hein, oh là là. C'est pas un problème pour moi. Et Poséidon a quand même une sale gueule. Hein, C'est un ultra, mec. C'est un ultra avec son fumigène. Allez, allez. Le microphone et tout, allez, quoi, allez. C'est genre. La totale. Vous faites quoi les deux autres là? Je comprends pas. Attends, on était près de la tempête. Sur le bateau. Ah. Oh la vache. On se tire une balle. Mais mec, je suis encore dans la putain de cage quoi. Quel quoi? J'ai la musique en continu. Oh là là, bah en fait j'ai. Dans la cage? Oui, j'ai parlé à Poséidon, retourner dans le bateau et ça me ramène dans la cage. Mais non. Qu'est-ce que je t'avais dit, regarde. Mais quel cauchemar! Oh là là, il est où? Oh l'enfer, l'enfer de la solitude quoi. C'est un cauchemar, putain. C'est l'enfer quoi, putain. Oh là là. Bah grave bien, vraiment les meilleures idées, hein. Quelle horreur. Franchement, on sert un équipage, on se donne du mal et voilà. Ah, vraiment, tu t'es porté volontaire, vous, arrête de faire genre. Ah là là. Poséidon sans respect. Et après c'est moi qui t'ai qu'un. Hein. Eh ben putain. Retour là-dedans. Quel enfer. Par contre tu respawn avec full matériau toujours. Ah là je trouve là. Ça chelou. Ah mais ça va, on peut te libérer, c'est bon. Bah oui, il faut voter le contraire. Ah bah sinon je ne sors pas. Hein. Ah ouais, non mais les... Ouais, tu nous as menti. Non, c'est 15 minutes minimum de sentence. Moi je vais voter non pour la libération. Je suis désolé, tu nous as menti. Bon bah bonne soirée à tous. Ça a pas du tout fait 15 minutes là minimum. Non ? Ça fait 15 minutes. Ça doit être 3 minutes. Non, ça fait 5 minutes là. C'était à 44 et il est 50. Ah oui, c'est bon. Ça fait 6 minutes, c'est cool. Oh, je vois que t'es occupé à manger, t'es peut-être pas disponible pour le bateau, je sais pas si je vais voter oui. Ouais, ouais, bah écoute hein, je m'occupe hein. Il y a des choix à faire. Je mange les rats et la moisissure de la cale, hein, il faut bien se. Oh, c'est terrible. Putain, on est dans une baie, ça va être horrible pour sortir. Ah bon. Bon, on essaie d'aller full sud, s'écraser sur la map. Ils sont bien croquants, hein. Vas-y, je suis chaud. Bah de toute façon, hein. Allez, go. Au point non, mais où ça on y est, libérez Dash, là. Vous avez pas voté? Bah si, j'ai voté. Ah, moi, j'ai voté. Excusez-moi. Ah bah, désolé. J'avais pardon. Oublié. Ce... Oh, écran blanc, fabuleux. Ah, c'était rapide là. Woo. From the brig. Je suis libre. Ouais, viens lever l'ancre. Oh, par contre, là, l'endroit est stylé où on est. Hein. La baie est vachement cool. Y'a des mecs. Viens. Non, il est tombé. Y'a un mec. Je ne sais pas où. Ça. Sur, la... sur l'île. Sur la terre, ouais. Attends, mec, il faut. Moi, attends, il faut moi je meurs, rip-up en fait, sur l'île quand vous m'avez libéré, donc faut que je le trouve. Enlève-le dans les options, juste. Ah ouais?
C'est mais juste à côté de toi la Dash, hein, je l'ai vu dans le coin. Mais Dash, reviens ici, on s'en fout. Okay, ah oui, okay. Chanty. Mais on fait une tempête, non mais il y avait un gars, mais... On... Vas-y, on va au sud comme t'as dit. Attends, j'attends okay. Dash, non, c'est peut-être... tu relèves l'ancre là. Que Dash est sur la plage. Ah ouais, oui, j'arrive, c'est peut-être un ami. Hein. Et bah, ça ne marche. Mais c'était Dash, hein. C'était complètement Dash que t'as vu en fait. Non, non, c'est parce que c'était avant qu'il soit dans l'eau. Ah ok. Ah mais moi j'ai ripop sur l'île. Ah ouais, non, j'ai rien dit, c'était Dash. C'est le démon ce truc. Bon, j'essaye de créer des trucs, tu vois, des moments sur le live, je vous dis, bon... un peu la galère. Allez, je pars sur l'encre, moi, de mon côté. C'est le bon. Allez, c'est parti. Y'a pas un gunpowder, là, pour... Non, mais ça, c'est bon, je pense. Bon, ça coule un bateau, quoi. Celui-là, on l'a vu. Oh, la gunpowder, je pense, c'est bon. On n'hésitera pas à en ramener plus, hein, la prochaine fois, des barils. Zera, tu m'aurais pas troll, parce que là, genre, j'ai enlevé le chantilly, j'ai enlevé le musique, mais j'ai toujours la musique dans les oreilles, en vrai. Ah ouais. Bah, ouais, écoute, je sais pas. Sur chantilly, moi, ça avait marché, mais... Bah, t'as le seum. J'en peux plus de là-bas. Voilà. Bah, c'est pas grave. Bien, bien. En vrai, bon, si tu veux, tu peux reboot, là, on va juste aller full sud dans le... Non, it's ok. Ouais, faites une petite fin en musique, moi, je dis. Vous pouvez me confirmer que c'est full sud pour sortir de la map? Bah, écoute, on va te dire ça tout de suite. Moi j'ai plus de map en fait. C'est à dire qu'au sud on en a pour quand même 50 minutes. La cale. Oui, oh, pardon, ça va. Oh les gars, ouais. Non, sud on va hésiter, ouais. On va éviter. On nord, non. Ah, ouais, full nord alors. Full nord. Tu sors, là tu vas à bâbord. Tu nous fais un bâbord braqué. Ça part sur bâbord. Bâbord braqué, ensuite tu t'enchaînes. Ah, tu veux pas aller plutôt de l'autre côté pour avoir le vent? Juste ouais, si. Oh, c'est trop tard. Oh, ok, hein, j'y vais, mais bon. Le temps qu'on tourne, on va se prendre le caillou, quoi. Non, mais c'est juste ce qu'on va faire. Sinon... Mais là, on est bien, là. On est bien. Pas mal. Vas-y, ouais, non, mais c'est chiant. Je reste comment tu vois le vent? Allez, en fait, tu regardes rien. Mais non, même, tu peux regarder les drapeaux. Tu peux regarder les drapeaux du bateau, dans quelle direction ils sont orientés. Ah, oui, à la limite, mais tu peux regarder les traits sinon. Là on dévisse, ah si, ok, d'accord. Vas-y, moi je vais faire les vidéos. Ça doit être ça. Là on tourne sur nous-mêmes. Hein. Non, on tourne sur nous-mêmes, c'est cool. Ok, bah non, mais on se rend très bien. Oh, mais on des trucs pas sur nous-mêmes. On va full nord. On m'a dit d'aller nord. C'est pas ça qu'il faut faire? Faut pas aller nord? Attends, bah je recheck parce que. Ça dépend, tu veux aller dans la tempête à côté ou tu veux. Nord et on va voir. Et je vais sortir de la map. Ok, bon bah. C'est ça le but. C'est pas nord? Bon, je vais aller voir moi-même parce que. Ah non, c'est toi qui m'as fait trop peur, gros. J'étais en mode on se fait attaquer et tout. Voilà, et... C'est au nord. Bah voilà, c'est au nord, qu'est-ce qu'il raconte, Dash. Je croyais que tu voulais aller dans la. My bad, dans la tempête à tribord. C'est grave bon, voilà. Ouais, bah là on arrive vers le blanc infini de l'horizon. Mais ouais, il va se passer quoi là? Je sais pas. Bah on va tous se retrouver téléportés dans la cage. Hein. Je pense qu'on va juste die. Bah non, on va refaire comme tout à l'heure un demi-cercle, non? Non, apparemment, si tu tiens la barre. Ah, ouais, c'est ah si tu tiens, tu vas au bout. Si tu luttes contre les éléments, apparemment, c'est bon. Elle soit solide, hein, la barre. Ah, ouais, ouais, je suis à fond là. Ah, mais on n'a pas toutes les voiles. Celle de devant est pas ouverte. Bah, c'est quand vous voulez, hein. N'hésitez pas. Ah, les gars, j'y vais. Et boum. Et là, c'est plus la même. Et là. Ah, ça change tout, hein. Tout à droite, c'est la tempête. Là. Non, mais là, c'est une tempête, on sort de tout là. Hein? Non, non. Ah, ouais, ouais. Je les gère, t'inquiète. Tout droit, bon, tiens la barre. Tout va bien. C'est la houle qui a fait dériver tout à la dernière fois. Ouais, ouais, non mais peut-être. Bon, en tout cas, bon, je kiffe bien le jeu, moi. Ah. Ouais, c'est marrant. Ah non, pas du tout. Ouais, c'est pas mal, j'avoue, c'est pas mal. Mais après, j'avoue que... Genre, en fait, je suis curieux du contenu qu'ils vont ajouter, tu vois ce que je veux dire, genre pour faire vraiment des... Oui, pour la rejouabilité, ouais. Après, je pense aussi, on n'a pas eu, par exemple, ouais, des rencontres, des fights, des gros fights et tout, quoi. Bah en vrai si, on a fait PVE, PVP, là, les voiles. Oui, non mais t'as pas eu genre t'es rien que deux bateaux de 2v2, si t'avais 2-3 streamhackers et Allo, les voiles tournent à mort, c'est normal ou... Oui, c'est pour avoir le vent. Oui, c'est pour avoir le vent. Hein. Non mais c'est juste pour être sûr qu'on s'est pas bolos par le je sais pas quoi tout à l'heure. C'est Juice qui nous a attrapé le vent. Non mais Juice c'est spécialiste vent, c'est incroyable. C'est genre... Ouais, j'avoue... C'est genre, je regarde devant, je regarde derrière, il y a 3 voiles sur le côté en mode... On est en train de faire du freestyle. Oh voilà. Regardez-moi ces voiles bombées. Eh hey, oh ça a l'air, on a l'air d'être dedans, la mer est devenue rouge hein, genre ouais. Je... What the fuck. Mais je suis TP où là, what the heck. Eh hey, mec, je crois que c'est le Shaitan là en vrai. Dash a été TP. Non c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe avec ta tête? Allez dans la cage. Tiens la barre. Tiens la barre, Zera. Mec, c'est le diable. On est en pleine tempête. Oh, je veux voir le diable de près. Les nuages se couvrent, regardez au-dessus de vous. Là il y a un gros screamer. Oh putain.
C'est incroyable en vrai, retourne-toi Juice. Mec, il y a un screamer ici, je saute de ma chaise en vrai. Genre, il y a un Kraken qui pop, je meurs. Eh, est-ce qu'on prend pas l'eau là? Ah, je crois pas. Hein. On va aller check. On prend pas l'eau? Oh là, je fais tomber. La petite musique inquiétante et tout. Hein. Je tiens la barre, les potes. Oh, si on prend l'eau, on prend l'eau. On prend l'eau. Ah oui, oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bien en plus. Ah oui, le bateau se casse, les potes. Le bateau se casse. Bah, je descends. Je oh! Écopé! Ah, vraiment génial, hein, ce bout de. Attends, mais on est comme que à deux là! Je rêve! Mais non! Ah non, je suis descendu. Non, je répare. Faut réparer le noyer aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est plus worse de réparer sous l'eau parce que ça se vide vite en fait. Oh là là, c'est terrible! Ça l'eau mec, ça plus casse vite tout prévu! Ah oui, non, mais il y a tout qui casse en fait. Vous en faites pas, je répare là! Non, en fait, ça sert à rien de réparer. Quand tu mets une planche, elle s'enlève. Oui, oui, en fait, c'est comme si on était en full rocher. Ah mon dieu! Mais si on répare en permanence. Non, mais je pense que c'est une là. Je pense que si on fait que de l'eau, mec, y'a moyen que ça dure. On reste que là. Et on fait que vider le dessus. Vas-y, je suis chaud. Ouais, j'avoue. Merde, j'ai foutu de l'eau. Attendez, faut que je tienne la barre vers le nord. Non, mais en fait, les planches sautent quand y'a trop d'eau. Les gars, on est en train de faire un world record, concentre-toi, Dash. Mais c'est où ce. Vide-le, Dash, vite. Continue comme ça là. Faut que je tienne la barre au nord. Je suis en train de pré-shot l'eau qui arrive. Hein. Je suis en train de réparer le plus possible. Je sais pas si réparer. Je m'occupe des voiles, je m'occupe du bateau. Mais y'a trop de trous, gros. Y'a les devs qui vont arriver sur le chat, ils vont dire. Mais attends, mais mec, y'a 10 trous quoi. L'enfer, il faut que je tombe de là-bas, on va y arriver. Attends, j'ai même pas cette chance pour réparer. Dash, c'est pas grave, c'est pas grave. Enlève l'eau avec nous, Dash. Mais Juice, t'en fous partout, putain, il le fout. Je tourne les voiles. Oh là c'est intense là. Cette tempête nous emportera pas. C'est elle ou nous maintenant. Oh non. On est tous quoi. Oh, ah c'est posé. Ah, mais en plus il est encore debout le bateau. Rejoignez le bateau. J'y vais. Oh non, je suis TP. Quoi. Non. Rejoignez encore. On va y arriver au bout d'un moment. Oh, c'est scandaleux. Waouh, on a attendu du sang. Oh non, je me fais re-TP, troisième écran blanc. Oh, c'est fini. Oh les voiles. Oh, bon, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'on a fini le jeu du coup? Ah bah là. Je pense. Hein. On aurait dû check la map. Rouge, ça fait flipper. Ouais, ouais, attends, est-ce qu'il va y avoir des requins en vrai? Ah non, là il y a le Kraken, là il y a des requins géants, on va se faire avaler d'un coup en dessous. Je suis sûr que ça existe pas les requins ici. Oui. Juice. T'es où là? Tiens. Tiens, t'es deg hein. Les petites batailles d'eau là, ça part. Allez. Waouh, avec le requin à côté. Ah mais ils veulent juste jouer. T'inquiète. Je joue de la musique. Tu peux juste envoyer un peu d'eau. Respectez les animaux. Je me suis fait TP par Poséidon. Envoyez leur de l'eau. Ah mais balance sur Poséidon. Balance sur Poséidon un peu d'eau. Mec, regarde, je joue de la musique. Ah, il a pas aimé la note, je crois. T'as dû faire une fausse note. Ah ouais, je crois qu'il l'a pas aimé là. Oh oui, sous l'eau, la petite lampe. Oh oui. Oh oui, regarde. Oh magnifique. Ah non, il nous attaque du coup, ça y est, c'est fini, c'est le feu là. Ça y est, c'est... Ah ok, on est plus du tout amis. Moi, je suis mort. Ah bah bravo. C'était une belle expérience. C'est plus chaud. Oh. Attends, une là. Fury of the Damned. Voilà. Une nageoire là, pas une. Mec, on est invaincu, je crois, on va rester là. Bah, je crois qu'on est. Attends, je remonte pour pas me noyer. Ouais, moi aussi, il fait bouh. Bizarre ce que. Bah, c'était là 10 minutes, hein. Ouais. Oh, t'es sorti, j'ai entendu. Tu veux une banane? Petite banane? Petite banane ou pas, les gars? Mec, en tout cas, t'as réussi à garder tes tongs dans l'eau et tout, t'es solide, hein. Bah, ouais, mec, bah, ils sont scotchés, je sais pas si tu les pieds. Ouais, je vois ça. Bien sûr, Ulysse, que je vous vois. Avec la petite, musique qui bug, moi je suis vraiment aux anges là. Bah bravo, hein. Bon, bah allez, bonne nuit, ciao. Attends, comment on fait déjà pour. Ah non, ça c'est les émotes. Ah, sorry. Sorry. Bon, là, bah, ouais, Dash, il a le temps. Oh, il bosse, bah non, mais en fait, j'ai appuyé sur le bouton à côté de Poséidon et je me suis fait TP, ouais. Ah, comme ça. Et je suis arrivé à côté de notre nouveau bateau, et il y avait sur l'île un squelette qui s'amusait à le canonner déjà, tu sais, genre de loin. Ah, il était déjà en train de le bolos, non mais vraiment. C'est un plaisir. Vraiment le jeu, alors pas agressif. Ah, mais on est sur la même baie. Moi je vais aller là-haut là. Eh ouais. Mais du coup, sur ces trucs, y'a quoi à faire? Bah y'a que les coffres, je crois, pour l'instant en tout cas.
je crois que tu peux danser. Non, parce qu'en fait, le truc moi que je comprends pas bien, c'est dans la finalité. C'est-à-dire, en gros, là pour l'instant, dans la bêta, t'as pas tout ce qui est genre amélioration du bateau et tout. Non, mais t'as peut-être pas des événements sur les îles, t'as peut-être pas d'autres missions à part chercher les coffres. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Peut-être après, ce sera genre aller sur une île et attaquer cette. Parce que comme tu sais, genre là par exemple, on prend des niveaux, mais je sais pas ce que ça nous rajoute, tu vois. Par exemple, on n'a pas genre des armes améliorées, des trucs comme ça, comme ça a l'air d'être beaucoup de skins. Ça nous donner accès à des nouvelles missions. Ok, d'accord. Et peut-être, et après, une fois. Enfin, j'imagine qu'après. Oh, mais il y a un coffre là, putain. On peut se refaire un petit coffre, hein, écoute. Je pense qu'il doit y avoir des. Non, mais à mon avis, après les missions, ça doit être autre chose que les coffres. Ça doit être aller clean cette grotte, aller visiter telle île, tu vois, des trucs comme ça. Faut voir, je sais pas. Moi, ce que je trouverais stylé de ouf, c'est les. Un peu comme disait Dash tout à l'heure, pas le délire d'alliance, tu sais, mais le délire de. Ouais, tu sais, où il y a des fights navales de dingue, tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre, ouais, moi, j'ai jamais joué à WoW, mais j'imagine bien ce délire là ici, tu vois. Oui, genre avec plein de bateaux et tout, c'est vrai que ce serait cool. Hein. Un gros abordage. J'ai jeté un coffre de ce truc là. De quoi? Il y avait un coffre ici, je l'ai jeté dans l'eau, mais je le vois pas. Ah oui, il est là. Mais plonge, du coup, plonge, quoi, quoi qu'on fait. Allez, pousse-toi. Non. Arrête. Moi, je vais le chercher. Et bah, je pense qu'on va stop. En vrai, ça correspond à une belle fin. Bah, ouais, clairement. C'est vrai, hein. Le bout du monde, la mort. Salut. On est revenu au paradis. Non, j'ai bien kiffé. C'était marrant, en tout cas, les potes. Ah, ouais, grave. C'était hyper marrant. Faudra voir comment évolue le jeu. Et il y a une date de sortie déjà? Non, je mars, je crois. Ah ouais? Sérieux? Ouais, je crois que c'est mars. C'est tôt. Si je dis pas de conneries, ah oui, enfin, les gens me corrigeront, mais je crois que c'est ça. Oh, la taverne, la taverne. Ouais, apparemment, on boit de l'alcool, il y a de la musique. C'est le 20 mars 2018, la sortie. N'hésitez pas à tester cette feature de la taverne, c'est aussi marrant. Ouais, j'ai vomi et ça m'a fait chier, moi. Voilà. Bon, je vous en parle de mon expérience, mais. Dash, viens voir. Eh bien, écoutez, pour la taverne, vous achèterez le jeu, ça coûte pas très cher, donc. Toi. N'hésitez pas. Ça sort le 20 mars. Ah, donc c'est pas du tout une bêta, c'est une démo en fait. T'es un gamin. Putain, mais quel vieux. Quel enfant. J'aurais dû me douter qu'il avait une connerie. Il a tiré sur un baril de poule. Classique. Well played. Ouais, mais on va te mettre dans la cage, hein. Et non, on est sur le bateau des morts. Par contre, juste sur une info, les gens disaient que. Je sais pas si c'est vrai, que le jeu allait peut-être pas coûter aussi cher à la sortie, que là c'est juste pour la bêta. Enfin, genre un peu moins cher. C'est grave. Oh bah, c'est une belle douille, hein. On va pas se mentir. Non, parce que je me suis demandé quoi, parce que. T'as assumé que c'est juste le prix de la bêta, les gens assument, hein, ils sont pas forcés d'acheter. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. Ah voilà, mais du coup, le prix final c'est quoi? Non, mais je sais pas, j'en ai pris 2 euros. 2 euros. Bah, c'est un free to play, hein, c'est un free to play. Et bah, c'est cher Xbox, ça, du coup. Oh, c'est entièrement gratos. Oh, c'est une XQPS4, c'est free to play. Hein. Ils ont changé tout le modèle économique, ils ont vu que ça marchait pas, 70 boules. Ah, c'est plus du tout le même jeu, hein. C'est gratos. Tu prends une île et tu crées des maisons sur l'île après. Si tu payes 70 euros, ils auront une pelle en or, hein, pour le bonus. Mais putain. Oh non, tu l'as cassé, dommage. Oh putain. Hey, Juice. Oui. Viens voir. Quel plan de défi. Ah non, je rigole. J'avais rien du tout en plus. Elle avait rien du tout. Dommage. Mais les amoutis. Pas fini tout. Dash, moi, viens. Non mais putain. On va retrouver des trucs ensemble. Ah là là, les suicides collectifs, un plaisir. Apparemment 50 euros ou 60. Ouais, je sais pas. Oui, non, mais là les gens spéculent, ça y est, le jeu il sort en septembre. Moi j'ai eu un peu tous les prix. Apparemment on peut améliorer son bateau aussi, donc. Oui, voilà. Apparemment on peut aller au bout du monde, il y a une île secrète avec des trésors de ouf. Ah ouais, trop bien, venez, on y va. Go. C'est avec mon chat qui l'a dit go. Oh là là, putain. Ah, elle est bien. En fait, on avait déjà spawn ici, enfin je veux dire, à part le try d'avant, il me semble que le premier spawn c'était là. Ouais. Aucune idée. Oh. Ah ouais, je pensais pas avoir vu ça déjà. Alors la question c'est là, est-ce que si on creuse random on peut trouver des coffres même si on n'a pas les cartes? Moi je me demande. Oh là là. Waouh, hey. Les speedrunners. On finirait pas là-dessus. Allez, petit suspense. Allez les gars. Qui trouve un coffre les gars. Allez, bonne soirée à tous. C'est parti. Ah non, sur ce style là spécifiquement il n'y en avait pas finalement. Après avoir fait tout le monde. Hop. Je me rappelle, j'ai vu un truc des devs. Deux semaines après, au fait j'ai rien trouvé. Bah, celle-là est clean hein, les gars. Oh putain. Ah nice. Ah merde. Tu peux récupérer ton vomi et le jeter sur attention, tes potes. Attention le blanc. C'est bien ça. Ça merci pour cette info les gars. C'est pas entendu Dash mais Je comprends le prix maintenant.
Ah oui, ah bah d'ailleurs, 70 balles, ça va. C'est pas excessif. Tu peux prendre. Qu'ils l'ont en free to play, ils pourront pas faire ça. Je veux dire. D'ailleurs, j'ai stocké un max là, si vous voulez faire un petit battle. Ah, j'ai un baril de gerbe. Ah là, c'est vraiment. C'est énorme. Il est pour la cale. Hein. Putain. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'il faut sortir de ça. Ouais. 22€ sur Steam, mais bloqué pour le moment. Mais de quoi ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais de quoi, putain ? Non, en tout cas, honnêtement, gros lancement pour la plateforme Microsoft Store. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ça, c'est erreur. Qu'est-ce que j'ai eu ? Quel régal, ce truc. Oh, j'ai le pire crash de tous les temps. What ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Calme-toi. Oh là là. Allez voir le stream de Dash, vite, vite. Et moi, je le vois. Il est sous l'eau. Il marche sous l'eau, je crois. Attends, je vais te montrer ce que j'ai, Zerator SC2. Comme ça, ah oui, tu pourras le montrer en live. Oh non, ça a l'air chiant, ça. Oh, j'ai rien fait, les requins, là. Fais gaffe, rentre pas, rentre pas. Ah ouais, ouais. Eh, ça va, les requins en bord de plage, là ? Ça, c'est pas... Vous êtes où ? En fait, regarde, regarde, il court tout droit, là-bas, regarde-le. Regarde, là, je suis en bas, il y a du... Zerator, je te mets ça sur, sur Skype. Non, mais c'est chiant. T'es où ? C'est chiant, les bugs. Très beau bug. Aïe, aïe, aïe. Et boum. Error, video drive crashed and was reset. Bon, venez pour finir, on fait celui ah, qui va bah le plus loin. Le jeu hein, qui est terminé pour moi. Bon, oh, ça va, y'a pire. Ah, ça a crashé. Oui, non, y'a pire, mais c'est marrant. Les gars, petit concours de canon. Ah, je crois un petit canon au lit, là. Un petit canon au lit, hein. Allez, un petit canon au lit, au calme. Allez. On va écouter. Bon bah du moi, coup ouais, je suis à out hein. Le jeu a crash hein, juste à la fin, exact. Ah, bon mais les gars, bravo à vous. Bravo à vous, à bravo à vous, merci. Oh, c'est pas mal, tu peux te... Bon, bah bonne soirée les potes. Cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand le jeu va sortir. Après j'ai peur que ce soit assez chronophage quand même, si tu... Parce que tout prend pas mal de temps quand même. Moi j'ai peur de la côté répétitif hein. Je sais pas, ouais, faut voir. Là, mais après, bon, on a rien vu du contenu, quoi, donc... Oui, c'est ça, c'est ça. C'est difficile de juger en 4 heures, mais en tout cas, l'impression, en tout cas, en découverte avec des amis, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est ouais clairement, ça, c'est genre... cool. C'est marrant. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des jeux comme ça, un peu juste délire de tu t'amuses entre potes, donc... C'était un plaisir de passer la soirée avec vous, merci les gars pour l'invite. Eh bien, de même, c'était vachement sympa. Bonne soirée, les potos, ciao. Bonne soirée, bisous, bisous. À bientôt, bisous. Eh ben voilà, les potos. Eh... On a rigolé quand même. C'était sympa, non ? Ça faisait longtemps, en plus j'avais rien fait avec Zera, Dash et tout. Je suis très content. Je vous le dis, je suis très content. On a bien rigolé. On a bien rigolé et tout. Donc honnêtement, j'ai bien kiffé le jeu. J'ai bien kiffé. Lundi, on va faire... Lundi, les potos. Vous le savez. On va faire Life is Strange. Donc ça risque d'être très sympa. Un petit Life is Strange des familles. Donc ça va être cool. Merci de m'avoir regardé, c'était bien sympa. C'était bien sympa, c'était bien. Les trucs avec Zera. Bah ouais, ça fait longtemps et c'est pas facile de pouvoir se caler sur des trucs qui ça soit pas non plus trop trop la même. Enfin, tu vois, pas trop la même chose. C'est dur de faire beaucoup de choses différentes. Et en même temps voilà. Donc je sais bien. T'as de la barbe dans le casque, non mais mec, c'est un enfer. Bon ça va, vous avez aimé mon déguisement, j'ai pas voulu trop en faire, tu vois, j'ai juste voulu venir avec un truc. Ça j'ai trouvé ça trop cool. J'ai trouvé ça trop cool. Et j'ai plein d'autres trucs que je vous dis pas maintenant, mais j'ai acheté plein de petits déguisements sur plein de trucs.